Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans les studios d'HWM TV Horizon Web Media, votre web TV de proximité. Une journée particulière, un live de 3 heures, live for life. Il est question d'une jeune femme de 31 ans qui se prénomme Lilou. Elle est atteinte d'un cancer triple négatif. Pour certains, vous le savez, pour d'autres, vous allez le découvrir. Et nous avons eu à cœur aujourd'hui, pendant 3 heures, de vous offrir une émission spéciale pour l'aider, lui venir en aide. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de vous, elle a besoin de nous tous, tous mousquetaires de Lilou pendant 3 heures, pour pouvoir continuer un traitement qui ne peut pas être prescrit en France. Elle est partie en Allemagne, elle a déjà fait 2 voyages, 2 séances de traitement. D'ici 15 jours, il faut qu'elle reparte impérativement et c'est pourquoi nous faisons appel à vous aujourd'hui. Je vous le disais, cette émission placée sous le signe du cœur. Ils ont été nombreux et nombreuses à répondre et pendant 3 heures, quantité de personnalités, d'invités, des surprises également. Vous allez vivre un moment exceptionnel et c'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous de vous proposer cette émission. Je vais accueillir tout de suite et nous commencerons. Alors, Rikoun, je vais te présenter juste après. Bien sûr. Honneur aux dames. Valérie Barouille, la marraine de cette journée exceptionnelle. Valérie, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Eh bien, très bien. Très bien. Je suis passée à travers la méchante chose qui oui, est en ce moment. La bestiole, la terre, voilà. qui circule. Exactement. Voilà. Tu as, parce qu'on le sait, alors je vais juste représenter pour les personnes qui nous rejoignent. Voilà, tu es Valérie Barouille, on te connaît parce que tu es ancienne, comment dit-on, choriste, c'est choriste, ça hein, oui, choriste de Facile à chanter, oui. L'émission télé. Et tu as aussi, alors ça peu de gens le savent, chanté les titres, je vois que ça te fait rire tout de suite, oui. Tu as chanté quantité de titres de dessins animés. Eh oui. Quand la 5 a démarré, en fait, il y avait c'était des nouveaux mangas, des mangas dessins animés pour les filles qui s'appelaient des Magical Girls, et donc j'en ai fait quelques-uns, voilà. Alors, je vais juste préciser oui, le petit son, voilà. Peut-être que vous entendez dans les retours. C'est pour le fil rouge. On est en train d'essayer de nous appeler pour faire un direct. Voilà. Mais alors, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On reviendra sur le direct tout à l'heure. Donc, ça marche. Le direct fonctionne bien. Donc, tu nous disais, donc, sur la 5, on va reprendre parce que peut-être ils ont alors, pas entendu. Alors, sur la 5, c'était dans les années 80. Alors, attendez pour le live. Hein. On est en pleine interview. On était en live là-bas. On est en live, oui, avec Codonian. Priorité au live sur HWM TV, le fil rouge, la course de l'espoir avec Pascal Campé et Florent Pibou qui sont partis et qui ont décidé de créer cette course. Ce sont des marathoniens et ils ont décidé de traverser tout au long de cet après-midi tous les villages aux alentours d'Aubé, 32 km précisément. Alors, on les retrouve en direct. Alors oui, Pascal, Florent, on vous écoute. Donc voilà, vous savez où on est là ? Devinez où on est. Je sais pas, je vais dire Vergès. Non, regardez, vous ne connaissez pas bien la région. On ne connaît pas le bureau de tabac, en tout cas. Alors, le bureau de tabac, c'est les galeries. Nous sommes à Codonian. À Codonian, voilà. Donc, voilà. D'accord. Et vous allez assister à la remise des cadeaux de Codonian en direct. Des cadeaux de Codonian pour Lilou. Il y a 3 boîtes. Ça, c'est pas un sac à dos. Il y en a un qui a la voiture qui suit. La mairie, la boulangerie. C'est une bonne idée, du Codonian. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Voilà. Donc en tout cas, c'est beaucoup, gentil hein. À Codonian. Merci à Codonian. On tient le bon mot, on est dans le bon rythme. Sur la place. Non, Vergès, c'est par là. J'ai adoré. Bon, on va vous laisser, on va reprendre le cours du live et on se retrouve tout à l'heure à Vergès. Allez, à tout à l'heure et tous mousquetaires pour Lilou. Oui. Effectivement, tout au long de la journée, tous mousquetaires pour Lilou. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. J'ai plein de choses à vous expliquer. Vous allez pouvoir contribuer et peut-être permettre de sauver une vie, mais d'autres vies aussi. On va y revenir avec l'association Les Mousquetaires de Lilou. Valérie, tu me parlais donc des dessins animés. Alors, on va avoir le plaisir de t'entendre chanter tout à l'heure. Ouais, parce que j'espère que surtout que les gens vont s'en souvenir, parce que c'est vieux quand même. C'était donc dans les années 80, quand la 5 a démarré. Il y a quelques années, on va dire, j'étais jeune. Et donc, j'ai chanté des génériques de dessins animés pour les filles, en fait. Voilà. Oui, dont un. Dont un. Un particulier. Oui. Qui est mon tube.
intersidéral, c'était Jeanne et Serge, Jeanne qui est quand même Serge. Un grand moment de musique. Mais beaucoup de gens s'en souviennent, et puis il y a une effervescence aussi autour des dessins animés. Ah ouais, on fait des, enfin quand on peut, parce que maintenant c'est difficile, mais quand on pouvait, on participait à des salons manga. Et là, il y a un monde fou et tous les gens connaissent ça par cœur. On est nombreux, hein. Je ne suis pas toute seule à chanter, bien entendu. On est nombreux, plein de chanteurs inconnus, en fait, puisque les gens ne savent pas qui chante les génériques de dessins animés. Et tout le monde chante avec nous, c'est super, quoi. Voilà. C'est rigolo. Et donc, tu as répondu présente, parce qu'on le sait, tu as un cœur énorme. Et tu as dit, bah voilà, vous faites une journée spéciale, c'est pour Lilou, c'est pour aider. Et tu as dit, bah, je vais venir. Et tu nous as proposé de rester tout au long de la journée, d'être la marraine. Et puis d'interpréter des titres tout au long de cet après-midi. Oui, je vais essayer de me souvenir des paroles. Non, je suis sûr que ça va aller, mais c'est facile à chanter. C'est pas la même émission. C'est pas la même émission. Hein. Oh là. Et nous avons bien sûr avec notre marraine Valérie, notre parrain Rikoun. Tu es auteur, compositeur, interprète de titres à succès, puisque bah, partout, là où on faisait la fête, et je dis là où on faisait, parce que pour l'instant, on ne peut plus faire la fête. Ça va revenir, hein, ça viendra. Alors, j'espère dans pas longtemps. Hein. Bah, même demain, j'espère, hein, très très vite. Donc, juste pour nommer le petit Ricard dans un verre à ballon, La Vache également. Ce sont les premiers titres, moi, qui me viennent. J'avais les CD. Je le dis, et je les ai joués en discothèque, partout. Tu as répondu présent aussi aujourd'hui, et on te remercie. Et tu as accepté d'être le parrain de cette grande journée. Donc voilà, au nom de toute l'équipe d'HWMTV, merci. Oui, ben, c'est une action qui me tient à cœur. Il faut qu'on arrive tous, toute la région, à être solidaire envers notre Lilou. Voilà. Et oui, parce qu'elle est d'ici. Hein. Ouais, ouais, ouais. Elle est chez nous. Tu sais ce que je trouve dommage, c'est qu'on soit obligé de faire quelque chose comme ça. Alors que ça devrait être normal, ouais. Qu'elle n'ait pas besoin de faire tout ça, tout ce qu'on est obligé, enfin, obligé, c'est pas le mot, tout ce qu'on se propose de faire, alors que c'est quelque chose qui devrait être normal. Oui, dans l'esprit, alors on aura l'occasion d'en parler, puisque plusieurs personnalités vont venir dans les studios. C'est un live, c'est un bœuf, c'est une journée placée sous le signe de l'espoir, dans un premier temps, mais de l'humeur, de l'humour. Et on aura l'occasion de parler un petit peu du fait qu'on est obligé de partir en Allemagne. Tout du moins pour ce type de cancer, il en existe plein. Pour ce type de cancer, il n'y a pas de possibilité d'avoir les traitements en France. Et comme on dit, ça coûte une blinde. Mais, tu vois, mais c'est ça qui n'est pas normal. Et pourquoi ça ne se fait pas en France ? Pourquoi c'est pas normal, quoi, je veux dire. Ouais, c'est pas normal. L'Allemagne, c'est l'Europe aussi, et la France aussi. On n'est pas loin, quand même. C'est pareil, on devrait être tous dans la même enseigne. Tout à fait, c'est la zone euro. Alors, effectivement, on en avait parlé, Rikoun, lorsque l'on s'était vu. C'était du côté de Marcillac, c'est ça, à la Scala, le théâtre, avec Samuel Hebb. Où nous avions fait la première émission et nous avions rencontré Lilou. On a été très surpris de rencontrer une jeune femme avec un tempérament d'exception. Elle se bat, elle a bien sûr envie de vivre, mais qui n'aurait pas envie? Par contre, elle sait l'échéance et elle ne pourra pas être présente aujourd'hui parce que son état de fatigue ne lui permet pas de venir dans les studios d'HWM TV et on va la préserver. Peut-être un direct Skype dans le courant de l'après-midi, si c'est possible. Je te coupe, oui. Cyril, des chances qu'elle soit là. Ah, voilà. Peut-être elle viendra. Elle va faire le maximum pour nous rendre une petite visite. Voilà, parce que je sais que ce matin, elle n'était pas au mieux de sa forme. Non. Donc, je vous parlais d'un esprit de combat. Bah, voilà, elle va tout faire pour venir. Ah, ben, mieux que ça, elle est là. Elle est là, elle est arrivée. Elle est là. Eh ben, écoutez, moi, je vous propose qu'on lui demande de venir. Si elle veut bien venir nous rejoindre, voilà, Lilou est là, dans les studios d'HWM TV, en direct. Et c'est un réel plaisir que de l'accueillir. Vous Lilou. Allez pouvoir voir par vous-même l'esprit de combat de cette jeune femme. Et c'est pour elle, on va peut-être l'applaudir parce que voilà, c'est le live. Viens Lilou, viens. Viens. Regarde, viens, assieds-toi, prends place. Sois la bienvenue dans les studios d'HWM TV. Merci. D'être venu. Voilà, si tu es fatigué, surtout, tu n'hésites pas, tu nous le dis s'il faut quoi que ce soit, hein, on est là. Cette journée, elle est pour toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu en es là, toi, aujourd'hui, vis-à-vis des traitements ? Alors, bonjour à tous. Le micro, micro. Bien dans le micro, Lilou. Oui, bonjour à tous. Alors, vis-à-vis des traitements, là, je suis allée en Allemagne déjà deux fois, du coup.
J'ai fait deux protocoles de traitement en Allemagne. Donc j'ai deux immunothérapies, deux vaccins. Je commence à être fatiguée. Je ne sais pas si c'est vraiment le traitement, mais je suis extrêmement fatiguée et malade par rapport à d'habitude. Je n'ai pas une très belle tête, je suis désolée. Sinon, après, là, j'ai la chimio mardi en France et après, je retourne le 3 mai en Allemagne. D'accord, chimio en France et ensuite en Allemagne. Donc, ça veut dire que tu as eu la possibilité d'avoir une partie du protocole en France. La chimio, oui. La chimio. Uniquement la chimio. Tu es allé deux fois en Allemagne jusqu'à présent, ce sera la troisième fois. Et combien il faut là ? Voilà, parce que là, on va faire appel à vous, on va faire appel aux dons. C'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui. Alors, il y a aujourd'hui, mais attention, il y a demain, il y a après-demain, il y a dans un mois. Hein. Le combat, tu le mènes toi. Et puis, tu le mènes aussi pour toutes les triplettes. C'est comme ça que tu les appelles. Tu leur as donné ce joli petit nom. C'est-à-dire toutes les femmes et les jeunes femmes, parce que c'est un cancer qui touche énormément de jeunes femmes. Je crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de jeunes femmes impactées, dont une de 18 ans. Hein, c'est ce que tu m'avais dit. Et donc, tu as décidé de créer cette association, les Mousquetaires de Lilou. Alors, c'est pas moi qui l'ai créée. Pour elle, c'est pas toi qui l'as créée. En fait, l'association, elle a été... les personnes qui ont vu mon histoire ont été touchées par mon histoire, ont été touchées par du coup, le combat des triplettes. Et moi, j'avais toujours voulu monter une association pour aider les gens de façon large. Pardon. Voilà. J'avais toujours voulu aider d'autres personnes, donc voilà. Mais l'association, en fait, moi, j'y fais pas du tout partie. J'ai eu des inconnus, des gens qui me connaissaient, qui ont monté cette association pour m'aider du coup pour mes traitements, mais aussi pour faire parler de ce cancer, pour aider les autres filles. On a fabriqué des redons, des poches à redons pour plus pratiques, pour quand elles sortent d'opération. On a donné des cadeaux à une petite fille qui venait de perdre sa maman d'un cancer triple négatif. Et après, on combat avec le collectif des triplettes pour avoir ces traitements en France. Donc voilà, après, l'association ne fait pas que ça. Elle fait aussi de la promotion à la santé. Elle fait de l'accompagnement aux personnes endeuillées. Elle aide les gens malades ou non à être bien, à utiliser des techniques un peu, des thérapies complémentaires pour pouvoir être bien. Donc elle est assez large. Et mais elle aide les triplettes effectivement à se faire entendre. Donc une association grand cœur, une association qui va permettre peut-être aussi de déclencher quelque chose dans notre beau pays qui est un pays moderne, peut-être faire en sorte que ce traitement qui ne peut être prescrit qu'en Allemagne puisse être prescrit en France. Il y a bon espoir ? On est en train de se battre pour ça. En tout cas, l'immunothérapie en France, on l'utilise déjà. Donc, pour le triple négatif, il y a une immunothérapie qui est déjà utilisée. En Allemagne, ils utilisent deux autres immunothérapies qui sont utilisées en France pour le cancer du poumon, le cancer du mélanome, le cancer de l'estomac. J'ai vu, ils font des recherches. Donc, en fait, c'est possible que ces immunothérapies, on l'ouvre au cancer du sein triple négatif. Donc voilà, après, il faut que les filles qui aillent en Allemagne prouvent que ça a fonctionné sur elles et fassent une demande. Donc, il faut qu'on y aille. Mais c'est 25 000 euros par mois, le traitement. Donc, 25 000 euros par mois, le traitement. Ouais. C'est très, très compliqué. Je vais préciser pour les personnes qui nous rejoignent, et soyez les bienvenus dans cette émission spéciale consacrée à Lilou, consacrée au cancer triple négatif. Et voilà, rappelez à tout le monde que vous avez la possibilité aujourd'hui d'aider. Alors, la vie est compliquée pour tout le monde, mais 1 euro. Vous avez 1 euro, vous voulez aider. Si vous êtes 20 000 dès ce soir à avoir donné 1 euro, tu pars. Je pars. Une fois. Mais il faudra continuer après derrière. C'est ça, je pars le mois prochain. Eh oui, tu après, pars le mois prochain. Il faut que. Je sais qu'il y a des filles qui ont réussi à avoir une compensation en France après. Une fois qu'on a fait nos traitements, je crois que c'est à partir de 3-4 mois, en Allemagne, qu'on prouve que ça fonctionne, on peut demander une compensation pour l'immunothérapie en France. Pas les vaccinothérapies, parce que du coup, là-bas, il n'y a que la clinique, cette clinique-là qui fait la vaccinothérapie. Donc du coup, effectivement, la vaccinothérapie, c'est qu'en Allemagne. Donc après, il faudra que je continue, mais c'est beaucoup moins cher. Et après, ça passe à tous les 3 mois, donc ça peut être possible. Par contre, après, il faut faire une compensation en France et avoir l'autorisation des laboratoires et des politiques et du médecin conseil pour avoir en France notre traitement. Très bien. Alors Alain, est-ce que tu peux nous dire où on en est sur la cagnotte ? Exactement, on va avoir les montants, on l'actualise. Vous allez la voir passer directement à l'antenne. On va vous donner le montant à le live en direct, le fil rouge.
les coureurs de l'espoir. Allô, à l'huile. Alors, allez. Où on est? Alors, ben là, normalement, vous êtes à Vergès. Ah, vous tapez dans le mur, bravo. Voilà. Vous faites des progrès en studio là-bas. Hein. Ouais. On s'améliore petit à petit. Oui, alors, après, oui, avec le nom du magasin, c'est facile. Voilà. Voilà, on est au Vergésois et donc on a l'honneur de rencontrer Madame Tissot. Madame Tissot. Madame Tissot. Du tabac et de la laverie. Et en grand partenariat donc, avec les mousquetaires depuis le début. Voilà, puisqu'elles viennent exposer assez régulièrement au magasin. En soutien à Lilou, qui est aussi venu nous rendre visite. Et oui, Lilou est de Vergès. Et, ouais, allez, à peu près de Vergès. Bon. Elle habitait à Aubé, elle habitait à Vergès. Voilà. Elle habite à Aubé. Non, je suis de Clarensac à l'origine. Bon, d'accord. Non, mais il parlait de Lilou. Lilou, elle a habité ici. Elle habitait ici. C'est ça. Ouais. Très bien. Voilà, donc on continue à la soutenir jusqu'au bout. Hein, pour qu'elle puisse encore profiter de plein de choses. Elle a un super projet. En tout cas, elle nous a rejoint ici dans les studios. Ah, voilà. Elle est au studio. Donc, elle nous a rejoint. Elle est très fatiguée, mais elle a tenu à venir quand même. Voilà. Voilà, salut. On y fait un gros bisou. Voilà, tout le monde t'embrasse à Vergès. On va à Marrakech très prochainement. Elle vous envoie plein de bisous. Moi aussi. Allez, à plus tard. Et tous mousquetaires pour Lilou. Oui. Tous mousquetaires. Et je trouve, Alain, je ne sais pas ce que tu en penses, mais nos mousquetaires coureurs courent un peu trop vite. Ah oui, hein, ah oui. Il va falloir... voilà, prenez le temps. Voilà. Donc, Lilou, je le disais, et je m'adressais à vous, téléspectateurs, téléspectatrices. Et c'est le moment. On va lancer un défi, faire monter cette cagnotte. Alain va nous donner le montant exact de la cagnotte. Faire monter cette cagnotte pour que ce soir, on puisse se dire déjà, voilà, Lilou... pour dans 15 jours, là, quand tu dois partir, là, déjà, ça, c'est bouclé. Tu puisses partir l'esprit tranquille, parce que c'est très important aussi. Moi, j'ai pensé à ça et j'ai dit quelle force de courage tu as, et je voulais te le dire aujourd'hui. Non, c'est pas simplement gentil. C'est parce que tu pars en Allemagne faire ce traitement. Alors, c'est-à-dire, déjà, tu es malade, il y a des échéances, c'est compliqué. Ton entourage, je pense aussi à voilà, tes parents, ta famille. C'est très difficile, tu te bats, et en plus, tu es obligé de faire le trajet, partir là-bas, revenir. C'est très, très compliqué. Donc, la moindre des choses, c'est de pouvoir te soutenir. Alors, vous avez 1 euro, 2 euros, 5 euros. Si vous mettez 100 euros, 500 euros, on ne sera pas fâchés, on vous le dit tout de suite. On prend, on est bien d'accord. Vous avez la possibilité, le chat, c'est Nicole qui s'en occupe. On est en live sous la vidéo de la page HWM TV. Vous avez le chat. Et si vous voulez savoir le lien, on vous transmet le lien immédiatement. Vous allez sur la cagnotte PayPal. Et s'il vous plaît, donnez pour qu'on puisse dire à Lilou ce soir, voilà, déjà dans 3 semaines, c'est fait. Et puis, on va continuer. Il va y avoir plein de surprises. Nous avons les coureurs de l'espoir. Ils reviendront en fin de journée, juste avant qu'on termine l'émission. On saura exactement de combien est la cagnotte. Je sais que plein de villages ont joué le jeu, plein de gens ont joué le jeu. Et vous qui nous regardez, on va vous demander quelque chose de très simple. Vous allez prendre votre téléphone. Et vous allez regarder la liste de vos contacts et vous allez envoyer un message groupé à tous vos contacts, Messenger, Instagram, tout ce que vous voulez, les mails également. Envoyez, dites c'est en direct, HWM TV, page Facebook, et vous donnez le lien de la cagnotte, vous dites c'est pour Lilou, un espoir de vie. Soyez tous mousquetaires aujourd'hui. Lilou, on va te laisser te reposer un peu. On va repartir en musique. Alors, oui, voilà. Alain. Tu m'as demandé le montant de la cagnotte. Oui. Voilà, le montant de la cagnotte. Je vais vous l'afficher en ligne. Allez, on va le voir s'afficher en ligne. Très bien. Elle est donc à 6535 euros. Allez, 6535 euros. Ça part de là, il faut faire monter cette cagnotte, on a 3 heures devant nous. Donc voilà, on va reprendre une formule ô combien célèbre, on compte sur vous. Allez-y, n'hésitez pas, c'est voilà, pour Lilou et puis pour toutes les triplettes au travers de l'association Les Mousquetaires de Lilou. On te retrouve tout à l'heure, je te laisse aller te reposer. Je vais demander à Ricoune de reprendre place. Merci beaucoup Lilou et à tout à l'heure. On est en direct dans les studios de HWM TV, ici à Aubé, une journée superbe. On a le soleil, on a le ciel bleu. Et nous avons Valérie Lamarenne
et Rikoun, le parrain. Alors Rikoun, voilà, je t'ai présenté succinctement tout à l'heure. Je voulais qu'on parle un petit peu de ton actualité parce que, à l'époque, tu chantais des chansons très, très festives. Et puis, j'ai eu le plaisir d'entendre un peu ce que tu fais maintenant. Tu peux nous en parler ? Ben, disons qu'il y a une paire d'années, là, on a monté un spectacle qui s'appelle Autour de Marcel. C'est-à-dire, on s'est servi de Marcel Pagnol pour faire un autre spectacle, quoi. Alors, il y a des chansons qui sont nouvelles, bien sûr, avec, je pense, des textes plus élaborés. Et il y a un décor de scène qui est vraiment pagnolesque. C'est l'époque de Marcel Pagnol, avec toute cette place de village sur la scène, quoi, avec le platane, le puits, la fontaine. Superbe. Et les musiciens qui m'accompagnent, qui sont tous déguisés à l'ancienne, quoi. Voilà. À l'ancienne. Et donc, excuse-moi Valérie pour mon accent. Hein. Je peux pas me corriger. Ça me gêne pas. Tu as rigolé tout à l'heure. Magnifique accent qui chante. Je peux pas. On aura le plaisir de t'entendre interpréter quelques titres. Oui, je suis venu avec Patrick, là, mon guitariste. Patrick, voilà. Bah, je vais demander à Patrick de venir nous rejoindre. Patrick, voilà, viens avec nous sur le plateau. Donc, ton guitariste. Oui, c'est ça. Hein, et on travaille ensemble sur les morceaux en studio. Très bien. On va peut-être nommer et citer le récent de ton groupe, de ton équipe. Tu as qui ? Oui, alors il y a à la batterie, il y a Nico. À la basse, il y a Pierrot. Et à l'accordéon, il y a Laurent. Pardon. Donc il y a Patrick à la guitare. Et au trombone, il y a Philippe à Nico. Très bien, une belle formation. Oui. Très bien. Et puis il y a des comédiens. C'est le seul qui a un nom de famille, en fait, le tromboniste. C'est ça. Alors je sais que je vais pas dévoiler un secret, puisque tu en avais parlé quand on s'était rencontré à la Scala. Tu as dit tout de suite, bon, il y a le Covid, on le sait, il y a les réglementations sanitaires. Pour l'instant, tout est fermé, hein, les salles de spectacle. Ça va revenir. Et tu as dit, il faut que dès qu'on puisse, on organise un concert. Donc et on a entendu, on a noté, et on s'est dit avec Alain que dès que ça serait possible, lorsque le petit théâtre de Nathalie à Aubé va réouvrir, eh ben à ce moment-là, on t'offre la scène du petit théâtre de Nathalie pour faire un grand concert, et puis pour Lilou. Ouais, bien ouais. Sûr. Ouais, ouais, avec plaisir. Allez, on prend date, hein, on va se voir après, on va caler tout ça. Valérie, on va te retrouver juste après. Le temps d'installer le plateau, on est en live, on va essayer de faire ça le plus vite possible et puis on va continuer. Ce que je vous propose, éventuellement, pendant le calage, c'est de diffuser la petite vidéo de Jean-Marie Bigard. Ah, la petite vidéo de Jean-Marie Bigard, très bien. Il avait un petit message pour Lilou, donc on va faire la diffusion de cette petite capsule. Nous, on prépare le studio et on va retrouver Rikoun et Patrick en live pour deux titres. Et puis ensuite, on reviendra avec Valérie. Et vous allez voir, il y a plein de surprises tout au long de cette émission. Tous mousquetaires de Lilou. En avant, Monsieur Jean-Marie Bigard. Bonjour Lilou, c'est Jean-Marie Bigard. Tu sais, l'humoriste vulgaire. J'ai vu ta vidéo. Ça m'a énormément ému. Tu as une telle grandeur que tu es tu es éligible pour le miracle. Voilà, tout simplement, tu vois, tu demandes rien pour toi, tu penses plutôt aux autres. Et à ce titre, tu es d'une telle dignité qu'on voudrait tous on voudrait tous savoir devant cet obstacle, devant la science impuissante, devant la mort qui est en train de déguiser sa faux. Moi, je te le dis, tu es parfaitement éligible pour le miracle. Tu peux faire machine arrière. Aucune force n'est plus grande que l'amour que tu as dans le cœur. Donc ne doute pas une seconde de la réussite et de la puissance et de la force de la prière. Pour ce qui me concerne, je suis vulgaire et catholique. Enfin, je suis catholique alcoolique, pratiquant dans tous les lieux de culte, hein, c'est-à-dire dans les bars et partout, qui sont malheureusement fermés en ce moment. Je peux te dire que je vais faire avec trois personnes. Faut être plus de deux, en tout cas. Et nous allons faire une prière
Je n'ai jamais connu qu'une prière faite par trois personnes ne soit pas accordée par Dieu. Donc voilà ce que je vais faire pour toi avec tout mon cœur. Et puis je t'embrasse très fort et ne doute pas que tu as la force en toi, la puissance de gagner, ok? Allez, je te fais des gros bisous. Gros bisous, je vais prier pour toi. De retour en direct dans les studios d'HWM TV et place à la musique pour cette grande journée placée sous le signe de l'espoir et l'esprit du partage également. Artiste au grand cœur s'il en est, pour vous en live, Rikoun et Patrick. Au bord d'une rivière, en plein cœur des Cévennes, je suis né comme un gland ou au pied d'un chêne vert. Je n'ai pas mis longtemps pour prendre racine, il m'a fallu 100 ans pour être adolescent. J'avais comme voisin un être plein de charme, et un charme qui avait sûrement sa raison d'être. Pendant que les oiseaux gazouillaient dans mes branches, ils ont pris mes voisins pour en faire des planches. Moi je ne veux pas finir en barrique, dans une cave avec des alambics. Je veux rester fort et noble à la fois, à faire de l'ombre à ceux qui n'en ont pas. Tant que le sang coulera dans mes veines, on pourra compter sur le vieux chêne. Tant que je donnerai de l'oxygène aux Cévennes. Un jour de gros orages, la rivière en fureur est sortie de son lit pour me prendre en douceur. Impuissant que j'étais, je n'ai rien pu y faire, et c'est le cœur serré que j'ai quitté ma terre. Après un long voyage écorcé par les eaux, puis blanchi et poli par le sel de la mer, j'ai fini sur la plage entouré de badauds. Je me suis senti nu au milieu du désert. Moi je ne veux pas finir en barrique, dans une cave avec des alambics. J'aurais voulu rester comme autrefois, à faire de l'ombre en ceux qui n'en ont pas. La sève ne coule plus dans mes veines, même s'il est mort le vieux chêne. Je garderai toujours au fond de moi les Cévennes. Fini les déjeuners des chasseurs à mes pieds, je ne reverrai plus passer les sangliers. Me voilà solitaire allongé sur le sable, espérant une fin de vie plus respectable. Je ne sens même plus la lame du couteau qui grave le prénom d'un enfant sur mon dos. Je finirai peut-être objet de collection, souvenir des Cévennes au fond de ton salon. Moi je ne veux pas finir en barrique, dans une cave avec des alambics. J'aurais voulu rester comme autrefois, à faire de l'ombre à ceux qui n'en ont pas. Si par hasard j'ai laissé une graine quelque part au milieu des Cévennes, dites bien à mon petit rejeton que je l'aime. Finir en barrique, dans une cave avec des alambics. J'aurais voulu rester comme autrefois, à faire de l'ombre à ceux qui n'en ont pas. La sève ne coule plus dans mes veines, même s'il est mort le vieux chêne. Je garderai toujours au fond de moi les Cévennes. Je garderai toujours au fond de moi les Cévennes. Merci.
tous y voient là, ça va être mieux là, tu vas m'entendre. Voilà. Je disais donc le live de Ricoun, le parrain de cette journée, placé sous le signe de la vie. Alors je vais vous le rappeler tout de suite avant un deuxième titre, hein, oui. Ricoun, on va faire un deuxième titre dans la foulée en musique pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Faites fonctionner votre réseau, ça sert à ça aussi les réseaux. Donc n'hésitez pas, allez-y, Facebook, Messenger, tout ce que vous pouvez. C'est pour Lilou, c'est pour les mousquetaires de Lilou. Il faut impérativement faire monter cette cagnotte. Et si vous ne savez pas comment accéder à la cagnotte, c'est une cagnotte PayPal. Vous allez juste en dessous de la petite vidéo du live. Vous avez Nicole qui va vous transmettre le lien direct. Donc surtout, n'hésitez pas et faites-le savoir autour de vous. On a 3 heures, maintenant un peu moins, pour faire monter cette cagnotte. Je vous parlerai juste après d'un maillot de foot, mais pas n'importe lequel, celui du capitaine Anthony Briançon, capitaine de l'Olympique de Nîmes. De Nîmes Olympique. Nîmes Olympique, ouais, qui nous a gentiment offert son maillot, le numéro 23, un numéro... avec Alain juste après où en est l'enchère, vous avez la possibilité de l'avoir, peut-être le mettre dans votre salon si vous êtes fan de foot ou pas. Eh bien, écoutez, de toute façon c'est pour la bonne cause. Ricoun, le live, oui. Je voulais poser une question, est-ce que le téléphone risque de sonner? Alors non, normalement non, mais peut-être. Ah. Oui, 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 bah oui, c'est le fil rouge, c'est le live. Et oui. Et donc on a la main dessus, mais s'il sonne, on s'arrête. Ben, et on reprend. Et on reprend derrière. C'est le principe du live. C'est l'avantage du live. J'ai écrit une petite chanson pendant le confinement, le premier confinement. Oui. Sur l'air de La Corrida de Francis Cabrel. Ça s'appelle Confiné sous l'évier de ma cuisine. Depuis le temps que je patiente dans cet appartement, je voulais dire à ma famille, je suis toujours vivant. Quelqu'un a voulu faire le malin, a bouffé du pangolin. Enfin, c'est ce qu'on nous raconte, y en a qui ont sûrement déjà honte. Dans les premiers moments, j'ai voulu acheter du gel pour les mains, mais les boutons se sont battus, dans les rayons, y avait plus rien. Heureusement, sur l'étagère, j'avais un masque de carrossier que mon fils m'avait offert quand il apprenait le métier. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Je sais pas, il y a un truc qui est parti. Parti. Ouais. Quelque chose qui est parti. Ouais. Ah, je ne sais pas, moi non, j'ai rien qui est parti de mon côté. Bon. Si, dans le retour, j'ai eu le retour de ma voix, mais il y a longtemps. Ah bon? Ah. Bon, je vais regarder. Non, normalement, tout va bien. Bon, quelqu'un... on va la reprendre, hein, c'est le principe. Aussi, j'ai entendu, ouais. Quelqu'un a voulu faire le malin. Ouais, moi aussi. Depuis le temps que je patiente dans cet appartement, je voulais dire à ma famille, je suis toujours vivant. Quelqu'un a voulu faire le malin, a bouffé du pangolin. Enfin, c'est ce qu'on nous raconte, y en a qui ont sûrement déjà honte. Dans les premiers moments, j'ai voulu acheter du gel pour les mains. Mais les moutons se sont battus, dans les rayons, il n'y avait plus rien. Heureusement, sur l'étagère, j'avais un masque de carrossier que mon fils m'avait offert quand il apprenait le métier. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Il s'attrape par les mains ou quand tu tousses dans le bus, il est vraiment trop malin, ce virus. Il se faufile dans tes poumons et toi tu cherches l'oxygène. Quand ils trouveront le vaccin, tu
tu seras dans la caisse en chaîne. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Je m'en suis posé des questions, presque rêvé de chloroquine. Quand j'étais confiné tout seul sous l'évier de ma cuisine, ils sortent d'où tous ces Chinois avec leurs masques de papier? Sont-ils contents de nous avoir emboucanés? Voir tous ces gens à la fenêtre, c'est fou, comme ça peut faire du bien. Applaudir les infirmières, les soignants, les médecins. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont là pour sauver des vies. Dans nos cœurs allume la flamme pour combattre la pandémie. Est-ce que ce monde est sérieux? Sérieux? Baila, baila. Si, si, hombre. Está bien a la casa. Y mataremos otros. Una cerveza, por favor, patrón. Si, pero una corona. Venga, venga, baila, mataremos otro. Le, 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 casa. Mataremos otros. Mataremos otros. Le live de Rikoun. Nous sommes en live. Ici, dans les studios d'HWM TV. Rikoun, merci beaucoup. Le parrain de cette grande journée placée sous le signe de l'espoir. Alors, le temps que l'on voilà, libère une partie du plateau, parce que nous avons quantité d'artistes qui vont se produire tout au long de cette journée. Et je voulais vous parler tout de suite de ce magnifique t-shirt. Alors, c'est le maillot officiel. Voilà, Alain, on va faire un gros plan dessus. Le maillot officiel, il est ici, il est dédicacé par Anthony Briançon, le capitaine du Nîmes Olympique. Et il est en enchère. Alors Alain, tu vas nous dire dans quelques petites secondes où en est l'enchère. Je crois qu'on était à 120 euros ce matin, c'est bien ça? Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Elle est toujours à 120 euros pour ce beau maillot dédicacé par le capitaine de Nîmes Olympique, donc Anthony Briançon. Voilà, vous pouvez peut-être l'accrocher chez vous. Voilà, le tout, ce sera de faire monter les enchères. Il va falloir faire très très vite. Parlez-en autour de vous, faites-le savoir. Et on va remercier Anthony Briançon pour ce joli geste. Et vous voyez que c'est l'officiel, hein. C'est ici, Ligue 1. Et vous avez la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée juste en bas avec le logo. Donc n'hésitez pas, faites monter les enchères. Je suis sûr que vous connaissez des personnes qui sont fans de foot. Et puis peu importe si vous soutenez telle ou telle autre équipe, aujourd'hui ça ne compte pas. Aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est de pouvoir permettre à Lilou de partir d'ici 15 jours pour poursuivre son traitement qui ne peut avoir lieu
qu'en Allemagne. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je voulais vous préciser également, puisqu'on est en train de parler de foot, Alain, et c'est exceptionnel, on a eu la confirmation ce matin, nous recevrons tout à l'heure une autre personnalité et grande personnalité oui, de l'univers du ballon rond. Oui, star du ballon rond. Et oui, tout à fait. C'est un ancien grand buteur, hein, c'est oui, bien ça. Oui, de l'Olympique de Marseille, il a joué au RC Lens, il a joué à Rennes, je crois, et à Nîmes Olympique. Et à Nîmes Olympique également. La venue dans nos studios de Toafilou Maoulida. C'est ça, Toafilou Maoulida, l'ancien attaquant de l'OM et du Nîmes Olympique. Il sera là vers 16h normalement. Il a répondu présent parce qu'il a lui aussi un grand cœur. Et donc, ce sera tout à l'heure. On va, voilà, on vous en dira un petit peu plus. Je voulais vous parler également de la course, la grande course qui a lieu en ce moment. C'est le fil rouge. Pascal Campé, Florent Pibou, ils sont partis, ils sont en train de parcourir 32 km. Ils vont très très vite, ils passent de village en village pour récupérer des dons. Il y a plein de choses qui ont été organisées, à savoir des concours de dessin pour les enfants. Il y a des concours de pétanque qui ont lieu en ce moment même. Donc voilà, si vous les voyez passer, encouragez-les. Ils sont accompagnés de plein de cyclistes. Donc n'hésitez pas à vous les encourager. Et puis on va remercier toutes les municipalités, tous les habitants, toutes les personnes, les commerces qui ont répondu présent pour cette grande journée de soutien et d'espoir de vie. Tous mousquetaires de Lilou jusqu'à 17h30 sur HWM TV. Je vais maintenant accueillir une chanteuse. Alors ce que je te propose, elle se prénomme le temps. Lily. Oui, oui Alain, ce que je te propose, c'est le temps d'installer notre futur invité. Oui. C'est de passer notre vidéo de Christine. Ah, Christine Colson. Le message Colson. De soutien de Cricri. Tout à fait. Alors, Christine Colson, qui est aussi une grande chanteuse de talent et avec un très, très grand cœur. Elle nous a fait une petite vidéo parce que pour des raisons de crise sanitaire, elle ne pouvait pas être présente dans les studios d'HWM TV. Mais elle a tenu à marquer le coup et elle adresse un petit message à Lilou et à vous. Bonjour les amis, bonjour les auditeurs et bonjour à toi Lilou. Alors... je n'ai pas pu participer à cette émission en direct organisée par Alain Galtier. Donc, à sa demande, j'apporte ma petite contribution par le biais de cette vidéo, alors dans laquelle je ne vais pas chanter, mais juste m'adresser aux personnes qui vont regarder cette émission en essayant de les convaincre de faire un don sur la cagnotte de Lilou, dont toutes les coordonnées auront été données dans cette émission. Je vous en supplie, partagez, faites connaître Lilou, cette jeune femme de 30 ans qui se bat contre un cancer très agressif, qui ne peut pas être soignée en France, pour lequel elle doit aller suivre un traitement très coûteux en Allemagne, et que pour ça, elle a besoin de chacun, de l'aide de chacun. Et plus on sera, et plus vite cette cagnotte montera, et plus vite elle pourra aller suivre son traitement là-bas. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut tous devenir un héros. Parce qu'un héros, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sauve la vie d'une autre personne. Alors nous, on peut tous devenir des héros en faisant un petit don. Un don, petit, moyen, grand, peu importe, en faisant un don. Et un don à la hauteur de nos moyens, mais il faut le faire ce don. Il ne faut pas dire, oh, je ne peux pas donner grand-chose. Donner. Il faut vraiment donner, parce que donner et partager. Parce que Lilou, il y a urgence pour elle. Elle a 30 ans et... elle veut continuer à vivre, elle est pleine de vie, elle rit malgré la gravité de sa maladie, malgré les traitements très lourds qu'elle a déjà subis. Elle continue de garder le sourire, elle fait de l'autodérision, elle a de l'humour. C'est une fille qui aide les autres au quotidien parce qu'elle est puéricultrice. Et aujourd'hui, sa profession elle est en stand-by parce qu'elle est en traitement, elle est malade et elle a besoin de poursuivre ce traitement. Il faut absolument le poursuivre. Donc, partagez et allez surtout cliquer sur ce lien, je vous en supplie. C'est pas compliqué, c'est sécurisé. Il y a qu'à rentrer le numéro de la carte bancaire, le cryptogramme et la date d'expiration. C'est pas compliqué. Et puis, vous ferez un grand geste pour Lilou. Un petit don égale un grand geste. Alors voilà, merci à tous les artistes qui sont venus à cette émission. Lilou, je t'embrasse très très fort. Je te soutiens de tout mon cœur et je continuerai à te soutenir comme tous les gens qui sont là parce que ils sont là parce que c'est toi, parce que tu es vraiment une fille qui vaut le coup et puis parce que tu te bats aussi pour les autres, parce que cette cause elle est devenue celle des autres et tu es un petit peu à la tête de tout ça. Donc je te remercie pour ce que tu fais Lilou, parce que malgré l'épreuve tu restes une fille positive.
Donc je t'embrasse très fort, je vous embrasse très fort et je vous dis merci à tous les auditeurs qui participeraient à cette cagnotte ou et qui la partageraient auprès de vos proches afin qu'eux-mêmes puissent participer. À bientôt. Bienvenue à vous qui venez tout juste de nous rejoindre dans les studios d'HWM TV pour cette grande journée placée sous le signe de l'espoir pour aider Lilou, cette jeune femme infirmière impactée par un cancer triple négatif et quantité de personnalités, d'artistes plus ou moins connus ont décidé avec un grand cœur de répondre présent. Nous avons accueilli la marraine Valérie Barouille, nous avons accueilli également Ricoune le parrain et nous avons le plaisir d'accueillir une jeune femme, c'est Livie. Bonjour Livie. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien. Tu vas bien ? Ça fait plaisir de t'accueillir ici dans les studios. Parce je suis ravie d'être là. Tu habites Aubé ? Oui. Eh oui, les studios sont à Aubé. Donc, oui. Voilà. Et lorsqu'on a dit, voilà, on va organiser une grande journée ici à Horizon Web Média, tu as dit, bah, moi je viens, c'est pour Lilou. Donc oui. Je viens. Alors, on va préciser, on en parlera tout à l'heure. Tu es plus que concernée, puisque, alors toi, tu vas bien. Mais tu as été impacté par un cancer. Oui. Voilà, c'est pas le même cancer, mais tu as été impacté par un cancer, donc tu sais, tu connais. Je connais. Voilà, tout à fait. On parlera de ton parcours hein, oui. Tout à l'heure, mais pour l'instant, on va s'intéresser à toi parce que tu vas nous interpréter des titres. Oui. Tu es chanteuse. Oui. Tu chantes depuis combien de temps ? Alors, j'aime ça depuis enfant. Vraiment, depuis toute petite, j'aime ça. Ça doit faire 5-6 ans que je fais de la scène. Voilà, des concerts. J'ai été dans des gros groupes, petits groupes. Et puis maintenant, je suis en duo avec Victor, qui est guitariste. Victor Lafuente. Comment s'appelle le duo ? Les duos Radio Live. Radio Live. Tout en attaché. On va saluer Victor, s'il nous regarde. Victor. Voilà. Je suis là. Ça, c'est le côté Drucker. Hein. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est pour ça que j'en profite. Quel est ton style musical ? Plutôt pop rock. Très variété aussi. Je chante malheureusement beaucoup en anglais, plus en anglais qu'en français. Voilà. Et puis dans le duo en particulier, on essaye de faire, c'est pour ça qu'on a appelé ça Radio Live, les morceaux du moment, voilà, qui marchent bien et qui mettent un peu le feu. Qui mettent le feu, tout à fait. Bah, tu vas avoir l'occasion de chanter puisque oui. Tu as gentiment accepté de venir pour quelques titres. Oui. C'est un grand plaisir. On voulait te remercier hein, voilà, au merci. Nom de toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Oui. Merci d'être là. On va vous rappeler, vous avez la possibilité d'aider Lilou. Il faut faire monter cette cagnotte pour qu'elle puisse, dans 15 jours, partir poursuivre son traitement. Hein. Elle a déjà commencé le traitement, mais il ne faut surtout pas qu'elle l'arrête. Donc, la cagnotte, n'oubliez pas non plus le maillot dédicacé par Anthony Briançon, le capitaine de l'Olympique de Nîmes. Il est en enchères et vous pouvez l'acquérir. Il suffit juste voilà, de faire monter les enchères. Donc, allez-y, on compte sur vous, on a besoin de vous et oui, faites fonctionner vos réseaux. Le lien pour enchérir, oui. C'est important. Oui. www.hwm.radiotv.com/. Attendez, que je me rappelle bien. Oui, non. Slash, oui, c'est ça. slash enchères-maillot-nîmes. Voilà. Très bien, on le redonnera hein, tout à l'heure. Tout à fait. Je vais le noter Alain et puis on va le redonner tout à l'heure. Juste avant de te laisser chanter, voilà, je voulais juste rappeler un petit quelque chose parce qu'il y a des personnes qui peut-être te découvrent là à l'antenne d'HWMTV et qui se disent mais c'est marrant, elle a un visage familier. Il me semble que tu as été sosie. Ah oui. Ah oui. Hola. Ah bah oui, hola. Pourquoi hola? C'est vieux. Mais non, c'est hier. Donc, sosie, raconte-nous un peu. Sosie 2. Alors, allez-y. Alors. Il faut d'abord de faire un don avant que je dise. Il faut faire. Alors, si vous voulez savoir, voilà, vous faites un don. Donc, dis-nous tout. Alors, comment ça a commencé ? Comment ça a commencé ? Je ne sais plus. C'était une époque où, voilà, c'était des choses qui m'intéressaient. Non, on m'a fait remarquer à l'époque. Quand oui. Cette personne a été connue, que je lui ressemblais beaucoup. Oui. Et je me suis intéressée du coup à des émissions de sosie. Et j'ai passé les castings. Et voilà, j'ai fait 2-3 émissions de sosie avec Jean-Pierre Foucault. Et voilà, j'ai été référencée sur une agence en tant que sosie officielle, donc de Sophie Thalmann. Voilà. Sophie Thalmann, c'est bien ça. Donc, bon, elle est plus grande que moi.
C'est beaucoup, beaucoup plus grande que toi ou... Ouais, t'es grande déjà. Oui, je suis grande. Mais elle est plus grande que moi, mais je dirais que c'est elle qui me ressemble puisque je suis plus âgée. D'accord, c'est elle qui te ressemble, c'est bien ça. On va prendre place pour te laisser la oui. possibilité voilà, de chanter, te découvrir tout en musique. Hop, je vais t'aider. Merci. Voilà, donc le live ici, et vous voyez, c'est vraiment un live. Hein. C'est l'esprit d'un bœuf, comme on dit dans le jargon du spectacle. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans les studios d'HWM TV. Et voilà, nous allons tout de suite... Alors, quel est le premier titre que tu vas nous interpréter? Hop là. Alors, le premier titre est un morceau de Patrick Fiori, Elle, au pluriel. Patrick Fiori, Elle. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en direct sur HWM TV, journée spéciale placée sous le signe de l'espoir. Live is live. Pour vous, Livy en live. Livy, oui, c'est à toi. Ces clichés démodés dans les rengaines à dessous partout, faut-il ajouter d'autres rimes à ces millions de poèmes entre nous? C'est du déjà vu, je sais, mille fois rebattu, d'accord, on n'en peut plus de ces histoires où pourtant chacun d'entre nous s'est perdu. Mais passent les gens, le temps fut-il, que nous reste-t-il indélébile? Elle, première et dernière, sœur amante mère, fidèle lumière. Elle, dans les nuits trop sombres, elle, quand tout vacille et s'effondre, elle, au bout du monde. Les hommes jouent à la peur, au pire, au pouvoir, à mourir, au hasard, à se haïr ou se mentir, au plaisir. Les hommes jouent. Les hommes se toisent, rêvent et boivent et s'autorisent. Petits soldats dérisoires, ils se défient, puis se défilent. Les hommes jouent. Les armes et les tombes et les chants d'horreur, au milieu des cendres et des douleurs. Elle, pour nourrir et guérir, caresser, sourire, et l'ombre éclaircir. Oh, elle, et d'autres ciels à venir, pour enfanter plutôt qu'anéantir, et tout reconstruire, tout reconstruire. Oh, et même l'une d'entre elles est la mienne, comme inespérée ma providentielle. Elle fait que ma vie vaut la peine. Elle. Mon elle. Livy en live pour vous sur HWM TV.
Alors, Livy, tu l'as entendu à un moment donné, hein, le direct faisant, nous avons eu un appel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous le disais, hein, c'est du live. Nous avons eu un appel, on va essayer de les recontacter immédiatement. Voilà, je vais demander à Nicole de bien vouloir essayer de les appeler. On va voir si on arrive à les avoir, s'ils veulent bien décrocher. Ce sont nos coureurs de l'espoir, ils sont en live. Ils sont en direct et ils ont dû arriver à destination d'un des villages qu'ils traversent, puisque comme vous le savez, ils sont partis chercher des dons. Plein de choses ont été organisées par quantité de villages. Et donc voilà, nous sommes en direct avec... Voilà, Alain, je te laisse le relais. Oui, alors c'est quelle distance, c'est ça? On n'est pas au bon endroit. Soit, il n'y a personne en tout cas qui nous attend. Donc on est peut-être en avance, je ne sais pas si on est en avance sur le timing. Mais qui c'est qui devait nous, Alain, qui devait nous... Est-ce que c'est une association des gens de la mairie? Est-ce que tu es au courant? C'est la mairie qui devait déléguer quelqu'un pour être là. D'accord. Donc voilà. Il y a eu un problème, un petit problème à une époque. On m'avait dit, vous vous rendez compte, c'est un samedi, il faut un élu. Et puis bon, là, apparemment, il n'y a personne. Bon. Écoutez, on vous fait une petite visio de la cave coopérative. Hein, c'est... Voilà, ben, c'est déjà gentil. C'est ouvert. Ouvert si vous voulez venir acheter du vin. Ouais. Parce qu'on a traversé les vignes, il va être cher le vin. Oui. Donc, d'accord. Profitez-en tant qu'il n'est pas encore cher. Bon. Ben écoutez, attendez 5 minutes et puis on ne sait pas. Et puis après, direction Congénie. Direction Congénie au Jargue. Puisque Congénie au Jargue, on voit. Voilà, directement au Jargue se retrouvera puisque Congénie et Junas n'ont pas donné de suite. Voilà. Donc directement au Jargue, c'est ça le très point bien, de rendez-vous. Un peu ici. Okay. Voilà. Très bien, à tout à l'heure, allez, plus tard. Merci, bonne continuation. Merci de même. Allez, au revoir. En voilà. Direct dans les studios d'HWMTV. Alors donc, ils sont où, Alain? Ils sont à Calvisson, et à Calvisson, apparemment, personne au rendez-vous fixé. Ah, personne au rendez-vous fixé. Ben, on va lancer un appel, vous habitez Calvisson, voilà. Faites savoir que nos coureurs donc sont arrivés. Donc il reste encore 5 minutes sur place. Ils vont rester pendant 5 petites minutes à Calvisson, donc voilà, si vous nous regardez, vous êtes peut-être concernés, vous faites peut-être partie de l'organisation du côté de Calvisson. Ben voilà, les coureurs sont là. Alors c'est vrai que nos coureurs, ce sont des marathoniens de fous. Ils vont très 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 vite. Pascal Campé a participé à quantité de marathon, il a fait le marathon de Paris, il est allé à New York, il est allé à Dubaï. Il court, pour lui, c'est une petite mise en jambe aujourd'hui, mais il va vite, il va peut-être un peu plus vite que prévu, mais c'est l'esprit des mousquetaires, hein, faire vite et être unitaire. Sylvie, oui, Livy, merci, on va te retrouver tout à l'heure parce que hein, tu vas revenir chanter et je crois que tu avais à cœur de chanter un titre, alors tu ne seras pas toute seule, tu as une personne qui va venir chanter avec toi, se prénomme Laetitia. Et vous avez choisi un titre un peu représentatif de cette journée, tout du moins, qui s'intitule La Grenade. Eh bien, écoute, on va demander à Valérie, la marraine, de bien vouloir venir nous rejoindre. Valérie, viens. Voilà. Hop. On va faire un passage de relais. Voilà, un passage de relais. Donc, Valérie, tu le disais tout à l'heure, et moi, je voulais te poser cette question parce qu'on en parlait en off, et puis comme on est en live, bah, vous êtes les bienvenus, hein, vous arrivez, vous êtes chez nous. Non, je vais te le donner. Je vais te donner celui-là pour l'instant, et puis ensuite, je te donnerai celui avec lequel tu vas chanter. Est-ce que je peux te proposer, en attendant... Voilà, celui qui fait chanter juste. Ce que je peux vous proposer? Oui, pour faire une tout, petite pause, c'est qu'on n'a pas montré le départ, dis donc, des coureurs. Donc, il y avait un départ enregistré. Il y avait un départ enregistré. Et il me semble que la personne qui a donné le compte à rebours, c'est Monsieur le maire, Angèle Popon, qui sera là tout à l'heure. Qui sera là tout à l'heure avec nous. Et il me semble qu'il y avait France 3 également, hein, présent. Mais France 3 était là, oui. Exactement. Et voilà, on va faire ça. On va regarder le départ de cette course de l'espoir. C'était à Aubé à 13h45 précise. Oui. On vous diffuse les images, comme ça, vous aurez absolument tout de ce qui s'est passé. Et on se retrouve avec Valérie. J'aurais une petite question à te poser. C'est par rapport à ton papa. Tu m'en parlais tout à l'heure. C'est pour ça. Allez, en avant. Oui, au micro. Je veux dire un petit mot. Merci à toutes et à tous pour cette course de solidarité pour Lilou, hein, donc c'est très sympa.
Moi, ce que je voulais dire, c'est très important, parce que souvent on nous dit ben, on ne peut pas être de partout, on ne peut pas être dans toutes les causes, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais c'est important de mettre cette impulsion et de montrer à tout le monde qu'il faut s'engager sur toutes les causes. Et puis si on ne peut pas toutes les faire, en faire certaines. Et là, c'était une très belle initiative. Merci Alain, merci à Pascal, merci à Florent. Et merci aux accompagnateurs, à tous ceux qui vont participer. Et bravo. Merci. Organisateur, merci. Bonne journée à vous aussi. Bon courage. Allez, on donne le top départ. 4, 3, 2, 1, top. Bravo. Comme nous sommes en live, ben voilà, on vous fait profiter absolument de tout. Et vous le voyez, et on va le préciser, hein, parce que peut-être des personnes se posent la question, nous sommes en plein Covid. Règles sanitaires respectées à HWM. Très peu de personnes en même temps dans les studios, sur le plateau, bien sûr. Et pour le bien de tout le monde, étant donné qu'il y a plusieurs artistes, il y a plusieurs personnalités qui viennent, désinfection systématique au gel hydroalcoolique de tous les micros. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis bah, vous contribuez, vous participez avec nous. Voilà Valérie, je te laisse le prendre. Comme ça, voilà, je ne le touche plus. Donc je te disais tout à l'heure, ouais, bon, on va le mettre là, allez. Regarde comme à la maison, hein. À côté du canapé, ce sera très bien. Donc, je voulais te poser cette question parce que tu me parlais donc des chansons que tu as faites pour les dessins animés. Oui. Mais il me semble que ton papa aussi. Ah ben, il me semble aussi, oui. Il en a fait bien plus que moi. Il en a fait énormément. Il a fait... alors, je me souviendrai jamais de tout. Hein. Non. Bah, quelques-unes. Judo Boy, La bataille des planètes, Ekel et Jekyll, Le tour du monde en 80 jours. Ah oui. Je sais plus. Franchement, mais honnêtement, mais... c'est pas parce que c'est mon père, mais c'est lui qui en a fait le plus. En France, c'est lui qui en a fait d'accord, le plus. D'accord, c'est lui qui en a fait le plus. Très bien. Et le chant, t'es venu par l'intermédiaire de ton papa. C'est lui qui t'a donné l'envie, le goût. En fait, mon père est musicien. Ma mère était aussi musicienne, mais elle était violoniste. Mais bon, entre-temps, elle a arrêté. Et du coup, c'était un truc... on m'a jamais obligée à chanter. Non, je voulais jamais chanter, d'ailleurs. Surtout devant mon père. Je ne voulais jamais chanter devant mon père. Non. Et puis, à un moment... Pour quelle raison ? Timidité ? Parce que c'était son métier. Ouais. Oui, voilà, timidité. Timidité, parce que c'était son métier. Et que moi, je ne voulais pas en faire mon métier. Je voulais faire de tout, sauf ça. Et puis, voilà, au bout du compte, c'est bon. Et tu donnes des cours de chant aussi ? Je donne des cours de chant aussi. Tu donnes des cours de chant aussi, oui. Et à des adultes, à des enfants. À tout le ça monde. Ça va de 7 à 8 ans à 75 ans. Et tu leur fais chanter des titres que toi tu as chantés ? Non, je pensais. Et après, c'est eux qui choisissent qu'ils ont envie de chanter. Je leur impose pas des trucs. Tout à fait, c'est très 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 ouvert. Et la dernière petite question par rapport à ton papa. Donc la première fois où tu as chanté en présence de ton papa et comment toi tu l'as vécu et lui ? Moi très mal. j'étais tétanisée. Après ça passe heureusement, mais j'osais pas chanter en fait. Je sais pas, après, bon, c'est comme ça. C'est ça. Timidité. Tout à fait. Une sorte de timidité, et puis aussi parce que c'était son métier. Peut-être que si ça n'avait pas été son métier, j'aurais chanté sans mais réfléchir. Je pense que papa était très fier. Oui, je pense. Oui, je pense aussi. Bon, il a été un peu casse-pied des fois, mais il était très fier. Il ne regarde pas, alors je peux le dire. Mais écoute, ce que je te propose, c'est pour les personnes qui te découvrent et pour les personnes qui te connaissent, le plaisir et avec ton grand cœur, comme tu as répondu présent pour cette journée, d'espoir pour Lilou de nous interpréter quelques titres. Voilà, tout au long chansons qui sont sorties sur la 5, donc du temps où la 5 a démarré, tout au début. C'était des mangas pour les filles. Ah, l'esprit des mangas pour les filles. Ouais. Ça va faire plaisir à ma nièce, qui doit être en train de nous regarder, parce qu'elle d'accord. est très à l'esprit manga, tout ça, et je pense que oui. D'accord, elle va adorer. Comment elle s'appelle, ta nièce ? Naomi. Alors, Naomi, c'est pour Naomi. Toi. Et vous, qui êtes peut-être plus âgée, mais qui avez connu cette époque, tu fais comme tu veux, tu es ici, chez toi. Voilà, c'est ça. Merci, mais je vous en prie. En live pour vous dans les studios d'HWM TV. Je le chante un peu comme je l'ai chanté dans les années 80, c'est-à-dire en 80. Mais il n'y a aucun souci et on te remercie. Parce qu'il faut que ça ressemble de cette un prestation. Peu à ce que les gens ont entendu. Tout à fait. Prestation en live pour vous, HWM TV, Valérie Barouille.
Jolie Maille est une jeune fille qui est toute pleine d'entrain. Elle a un bracelet qui brille, donné par un lutin. C'est un bracelet unique qui peut bien transformer. Petite Maille en émue magique, c'est superbe. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. Mille étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons, et voilà le bel arc-en-ciel. Tout rayonne, c'est merveilleux. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Oh. Mais la vie est un mélange de vrai et d'illusion. Et si l'on veut, tout change par l'imagination. Si Maï a dans son âme de l'imagination, a dans son cœur la magie et l'illusion. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. Mille étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons, et voilà le bel arc-en-ciel. Tout rayonne, c'est merveilleux. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Oh, Amy magique. Merci. Valérie Barouille en live. J'ai vu des filles studio qui chantaient derrière. Comme quoi, c'est les s'en souviennent un peu. Il y avait ça aussi. Vanessa, sur tes cheveux longs et bleus, Vanessa, ton bandeau est merveilleux. Vanessa, tu t'amuses tous les jours avec la magie des rêves d'amour. Vanessa, quand tu descends nuages blancs, nos rêves les plus secrets sont tout à coup réalisés. Vanessa, quand tu descends de ton beau nuage blanc, tu sais.
Vanessa peut changer un lion en chat. Vanessa, ding-dang-dong sont avec toi. Vanessa, tu peux bien faire un détour dans notre maison, on t'attend toujours. Vanessa, quand tu descends de ton beau nuage blanc, nos rêves les plus secrets sont tout à coup réalisés. Alors ça, c'était pas sur la 5. Ah, alors ça. C'était sur la prom, je crois, la première chaîne. C'était un truc, c'était rigolo. Alors c'était chanté avec un peu un accent anglais. C'est bizarre. Mais... Relax, teenager de Beverly Hills. Don't you believe, sois cool. T'as mis le sel derrière la colline. La vie d'un rêve, CPG. Pour le chic, il faut savoir choquer à Beverly Hills. T'es star teenager dans ta limousine, comme une étoile dans les boubouboud. Pour toi, c'est normal d'avoir ta piscine. Où tombera jamais le coup. Rendez-vous au club BCBG. C'est la vie d'un rêve BCBG. Pour le chic, il faut savoir choquer à Beverly Hills. Oh, oh, oh. C'est beau, vous avez vu ça? Vous vous souvenez de ça? Pour le chic, il faut savoir choquer à Beverly Hills. Rendez-vous au club BCBG. C'est la vie dorée BCBG. Pour le chic, il faut savoir choquer. Et voilà. Voilà, voilà. C'était voilà. Bon. Ben, merci beaucoup, Valérie. Je t'en prie. Merci beaucoup. Alors, le plein de souvenirs, est, je dois reconnaître, alors tu parlais des jeunes filles tout à l'heure, je vais venir te rejoindre, tu parlais des jeunes filles surtout, mais ben, moi je regardais plein de dessins animés, je regardais plein de choses, parce que j'ai toujours aimé tout ce qui était artistique, et les dessins animés, c'est aussi artistique. Et à un moment donné, j'ai fermé les yeux, je dois l'avouer, j'avais mis le casque là-bas en régie, j'ai fermé les yeux, et alors,
Waouh, revival. Tu regardais les trucs de filles alors ? Oui, 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 oui. D'accord. Ah bah Candice Neige André, j'en ratais pas. Candy, hein. Attends. Ah, par contre, il y a aussi quand on fait des spectacles de dessins animés, il y a la chanteuse de Candy, oui. Qui est Dominique Poulain, qui fait un tabac à chaque fois avec cette chanson. Candy, moi, c'est moi qui regardais Candy. Eh oui, Candice Neige. Eh oui, je sais plus comment s'appelait son amoureux. Mais, et puis il y avait le petit animal qu'elle avait aussi là. Ça va me revenir. On retrouvera. Je vais chercher. Je vais chercher. Valérie, un grand merci. On va te retrouver tout à l'heure en chanson. Hein, on va poursuivre. Je te garde avec moi. Non, je te garde avec moi. On va faire le passage de relais puisqu'on est en live. C'est un petit peu comme si vous arriviez ici à la maison. Vous voyez, il y a le canapé, il y a le décor, il y a tout ce qu'il faut. Et nous avons quantité de personnes qui, avec un grand cœur, ont répondu présent et présente. Valérie, la marraine de cette journée, placée sous le signe de l'espoir. Il faut faire monter la cagnotte pour Lilou. C'est très, très important. Faites monter la cagnotte. Elle a besoin de vous. Et elle a besoin d'exploser, oui. Oui, besoin. Elle est à 6550. Allez, on va la faire monter, cette cagnotte. Contactez toutes les personnes de votre entourage, vos amis, réseaux sociaux, professionnels, amicales, tout ce que vous voulez. Allez taper à la porte du voisin en disant « il se passe un truc, c'est à OB, HWMTV, la page Facebook. » Et vous pouvez donner, on vous donne le lien et vous allez peut-être lui permettre de poursuivre et d'aller continuer son traitement pour se battre contre ce cancer triple négatif qui l'impacte. Ce traitement n'est possible qu'en Allemagne. On a besoin de vous. Il faut que dans 15 jours, elle puisse repartir. Et on parlera tout à l'heure de l'association qui a été créée avec Lucie, la secrétaire de l'association Les Mousquetaires de Lilou. Je vous rappelle aussi également, il nous l'a gentiment offert pour le mettre aux enchères, le maillot officiel du capitaine de l'équipe du Nîmes Olympique. Il est là, le numéro 23. Il est dédicacé. Il y a un petit cœur dessus. C'est Anthony Briançon. Il nous l'a offert, il a dit « Tenez, si ça peut aider, allez, mettez-le aux enchères, faites monter, appelez toutes les personnes qui aiment le foot, qui aiment le sport en général, et faites monter les enchères également, on va vous donner le lien juste après. » Valérie, on te retrouve dans un instant, je te garde avec moi, on va accueillir encore une fois une chanteuse, un chanteur, un duo, c'est un duo glamifique. Ils viennent d'arriver dans les studios, on va les accueillir tout de suite, si vous voulez bien venir, Franck, Estelle, soyez les bienvenus sous les applaudissements du public en délire. Fantastique. Voilà, Estelle, je vais te proposer de te mettre ici, voilà, je vais garder Franck ici, je garde Valérie avec moi le temps que, parce qu'on a un petit truc à diffuser après, j'en dis pas plus. Bonjour, alors Franck, Estelle, Franck, je vous donne un micro tout de suite. Et madame d'abord, et ensuite monsieur. Bonjour, bienvenue dans les studios d'HWMTV en live. Bonjour. Vous avez répondu présent, donc Franck, Estelle, on ne peut pas se tromper. Non. Vous êtes le duo glamifique. Hein, observateur, hein, tu remarqueras Valérie, super, très observateur. Le duo glamifique. Alors, on s'est rencontrés tout à l'heure, je ne vous connaissais pas, j'avais pas eu le plaisir de vous entendre et on a fait ce qu'on appelle des balances avant l'émission. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, les balances, bah, c'est très simple. Voilà, les artistes arrivent et puis on cale les micros, on cale les instruments, on cale absolument tout. Et une découverte. Une découverte. Avant de parler et de vous entendre chanter, surtout, c'est le plus important. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes originaire d'où? Parce que vous êtes de la région. Oui, évidemment, on vient de Aujarc, donc on est vraiment des produits locaux, d'accord, on va dire. Ouais. Et donc voilà, ça fait aujourd'hui deux ans que nous avons monté le duo glamifique. Nous avons une de nos forces musicales et affective, puisque nous sommes ensemble dans la vie comme en musique. Voilà, si, un vrai couple. Et je vais préciser, parce que c'est une belle histoire, et puis on est là aujourd'hui pour de belles histoires, tout du moins la belle histoire et l'histoire de Lilou, qui, grâce à vous, va continuer. Hein. Donc surtout, allez-y, la cagnotte. Vous vous êtes rencontrés dans un orchestre, c'est-à-dire que vous étiez dans le même orchestre ? Même groupe de chant ? Voilà, on était dans un orchestre, alors moi je jouais de la batterie. Oui. Puisque bon, je joue un peu tous les instruments. Là, ça va. Et j'ai rencontré donc Estelle qui, dès qu'elle s'est mise à chanter, elle m'a ébloui, évidemment. Subjugué. Moi, j'ai parlé. C'est le mot. Donc, on a eu un coup de foudre musical, puis. Donc après. J'ose dire mutuel. Et puis après, voilà, le coup de foudre. Pourquoi ces sons? Le coup de foudre suivant. Le coup de foudre suivant. Je vais m'adresser à Estelle, puisque Franck vient de l'exprimer. Hein, il a répondu au chant d'une sirène.
en quelque sorte. Et c'est un peu comme ça que je qualifie ta voix, parce que vous allez pouvoir Merci. Découvrir à la fois la profondeur et la présence de voix de Franck, et puis le côté mélodieux et cristallin d'Estelle. Quel est, parce que voilà, bah, alors après il est pluriel, je le sais, votre univers musical? Alors nous, il est très grand, pour moi en tout cas. Je suis capable de chanter un peu toutes sortes de musique. On me dit toujours que j'ai une voix de caméléon. Je ne savais pas qu'un caméléon avait une voix, mais en tout cas, je suis un caméléon et j'aime tout style de musique. Tout style de musique. Voilà. Quelques exemples, peut-être, pour les personnes qui nous écoutent? Oh, ben, par exemple, ce qu'on va interpréter tout à l'heure, j'ai osé me frotter à Alicia Keys, que j'aime beaucoup. Après, voix française, Edith Piaf. Une question, ça fait quel effet de se frotter, Alicia? C'est pas mal, j'avoue. C'est pas mal. Très bien. Il y en a elle m'a pas laissé faire, alors. Ah, d'accord. Bah, oui, non, mais ça, là, c'est un truc de femme. Voilà, c'est pour ça. On va vous retrouver dans quelques petites minutes maintenant. Avec plaisir. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour répondre présent pour Lilou. Merci beaucoup. Et puis, on va vous retrouver en musique, et si vous ne les connaissez pas encore, et peut-être que une fois que le Covid sera passé, une fois que les salles de spectacle auront réouvert, les bars, les restaurants, vous avez un bar, vous avez un restaurant, vous avez envie d'un duo de chic, de charme et de choc, eh bien pensez duo glamifique, ils sont de la région, donc peut-être pour cet été, bon espoir, si vous n'êtes pas encore booké, parce que par les temps qui courent, voilà, restez avec Merci. Nous, on les retrouve juste après. Franck, merci Estelle, beaucoup. Merci, je vais récupérer ceci. Valérie, je vais discuter. Te dire à tout à l'heure, et on va appeler Livy qui doit être par là. Alors voilà, hop, merci beaucoup Livy. Livy et Laetitia. Oui, nous sommes en direct live dans les studios d'HWMTV. Je vous rappelle la cagnotte pour aider Lilou. Le cancer triple négatif pour aider toutes les triplettes qui sont impactées par cette terrible maladie. Un seul traitement possible en Allemagne. Donc imaginez un peu, déjà vous êtes malade, il faut aussi partir en Allemagne. Et là-bas, il n'y a pas la sécurité sociale. Donc on est dans l'obligation de payer l'intégralité des traitements. La cagnotte est à 6 600 euros. En gros, il va falloir la faire monter. Nous avons besoin d'une somme de 20 000 euros déjà pour dans 15 jours. On compte sur vous. Nous savons que des dons vont arriver sur les coups de 17h15. Ce sont les coureurs Pascal Campé et Florent Pibot. Ils seront ici dans les studios. Ils vont arriver avec l'ensemble des dons qu'ils ont récupérés un petit peu partout dans les villages qu'ils ont traversés au travers de cette course de 32 km. 32 km pour une course de l'espoir. L'espoir de la vie. Live is Life, aujourd'hui dans les studios d'HWMTV. Si vous venez d'arriver, contactez toutes les personnes, faites-le savoir. Et s'il vous plaît, on compte sur vous. Il faut donner pour Lilou. Je vais demander à Livy de venir me rejoindre. Livy, le retour de Livy. Hop, voilà. Mets-toi ici, je vais me mettre là. Alors moi, je suis toujours plus petit, je ne suis pas très grand, mais alors là, à côté de toi, c'est terrible. Promis, la prochaine fois, je mets des chaussures à talons. Voilà. Ah oui, très bien. Livy, tu n'es pas venue toute seule. Il y a une autre mousquetaire, hein, parce que voilà, on est tous mousquetaires. Il y a une autre mousquetaire qui a répondu présent, la fille de D'Artagnan, en quelque sorte. Elle se prénomme Laetitia. Laetitia, je vais te demander de venir nous rejoindre sur le plateau TV. Bonjour Laetitia. Je vais vous donner les micros. On va installer. Je crois qu'on avait une petite capsule, parce qu'il y a plein de personnalités qui ont répondu présent et qui avaient à cœur, elles ne pouvaient pas être là dans les studios. Et par l'intermédiaire de Samuel Hebb, qui sera tout à l'heure ici avec nous dans les studios d'HWMTV, il s'occupe de la programmation de La Scala. C'est le théâtre de Marcillargues. Nous l'avons rencontré là-bas. Samuel Hebb, vous l'avez peut-être déjà vu à la télé sur M6, puisqu'il a participé à un jeu d'aventure qui s'appelait Wild. Il nous en parlera. Et il est aussi comédien dans Demain nous appartient, une série sur une chaîne de télévision qu'on ne peut pas nommer, mais voilà. Et il ne viendra pas tout seul. Il a décidé de venir avec un humoriste qui a aussi répondu présent et qui est aussi un mousquetaire. Il se prénomme Anthony Joubert. Il y a plein de choses de Facebook sur lui. Il a fini cinquième à Un incroyable talent. Il a participé à l'émission sur la deuxième partie aussi en tant que présentateur. Il a fait plein de choses et il sera là parce qu'il a décidé. Alors, je ne sais pas s'il nous fera un petit live, un petit quelque chose, mais écoutez,
on l'accueillera avec un grand plaisir. C'est pour Lilou, c'est pour la bonne cause. Je vais demander à Alain si, voilà, peut-être diffuser la petite capsule de Popek. La petite capsule de Popek. Ouais, grand humoriste également. On c'est... vous laisse regarder cette petite capsule. C'est un petit message pour Lilou. C'est un message qui s'adresse à vous. Et ça dure une minute et après on retrouve... Une minute et on retrouve le live en direct et en musique avec Livy et Laetitia. Si ces quelques paroles peuvent apporter du réconfort, Lilou, regarde-moi. Je fais partie des seniors qui sont condamnés à mort. Tous les jours. Par les médias. Tu es jeune, faut que tu fasses confiance à la médecine. Elle t'en sortira. Il faut avoir la conviction que tu t'en sortiras. Moi, je m'en sortirai. Nous, on est condamnés à mort. Toi, tous les jours, on doit s'auto-confiner. On nous prend pour des sauvages, c'est pas possible. Alors, aie confiance en la médecine, aie confiance en toi. Et surtout, il faut. Tu es jeune, il faut croire en toi, croire en ta force morale. C'est pour ça qu'on va avoir un très bon moral. Regarde-moi, j'ai bon moral. J'ai encore du boulot à faire. Je suis pas à la retraite. Toi, t'en es loin. Alors, courage. Et je compte sur toi, Popek. Voilà, on est de nouveau à l'antenne et on va. On a nos coureurs qui sont arrivés. Ils doivent être du côté d'Oujargues. Non, non, on est à Congénie. Ah, vous êtes à Congénie, d'accord. C'est la rencontre entre deux groupes de coureurs. C'est la rencontre, ah oui, avec les free run. On a des chèques, on a des chèques. On a des chèques, on les a mis sans ordre. Alors, donc c'est l'équipe free run hein, qui rencontre oui, là, free run. Les mousquetaires de Lilou. Les mousquetaires de Lilou, ils vont reprendre la route d'Aubé. Il y a un congénie qui a pas mal d'adhérents sur Aubé. Il y a même des Lunellois, tu vois. Des Lunellois, c'est super. Et vous voyez qu'ils courent parce qu'ils transpirent. Hein. Vraiment, ah oui, oui. Couru, là. Mais il fait chaud aujourd'hui. Hein. Il fait chaud. Merci beaucoup. C'est super. Allez, bonne fin de course. Merci à vous. Voilà. Voilà, merci Free Run. Hein. Voilà, merci Free Run qui vont revenir sur Aubé. Et les autres, ils vont partir sur Oujargues. Voilà, rendez-vous, nous, à Oujargues. Rendez-vous à Oujargues tout à l'heure, dans quelques minutes. Voilà. À tout à l'heure. Allez, à vous les studios. Ouais. Merci à nos coureurs. Nous revenons en direct sur le plateau du studio d'HWM TV. Et je vous le disais, en très bonne compagnie, puisque je suis accompagné de Livy et de Laetitia, donc qui nous a rejoint tout à l'heure, mais qu'on ne voyait pas à l'antenne, parce que bah, l'axe de la caméra. Voilà. Et puis j'étais occupé. Bienvenue. Alors, tu as le micro, hein, tu peux. Voilà, comme ça, ça va permettre de tester, puisqu'on est en live, on est à la maison. Vous avez décidé donc de nous interpréter de nouveau deux titres, un titre en duo. Et puis, on parlera du deuxième titre après. On le disait, cette journée placée sous le signe de l'espoir pour Lilou, il faut impérativement que la cagnotte augmente. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien, de vos dons. Alors, un euro, c'est pas grand-chose. Peut-être 5 euros, 10 euros, 50 euros, n'hésitez pas. Et si vous êtes légion, si vous êtes nombreux à être mousquetaires de Lilou aujourd'hui et dans les jours à venir, nous pourrons espérer lui permettre de continuer son traitement. La cagnotte est à 600 euros maintenant. 6 570 euros. Oui, c'est bien ce que je dis. 6 600 là dans deux minutes parce que je suis sûr que plein de gens vont être réactifs. On fait monter cette cagnotte, on a besoin de vous. Elle ne peut pas ne pas continuer son traitement. C'est improbable. Et voilà, on va tout faire. Alors, il y aura plein de dons qui vont arriver. Une journée particulière, une journée d'espoir, une journée de vie. Life is life. Aujourd'hui, ici, dans les studios de HWM TV, et en musique, en chanson, avec Livy et Laetitia. Je vous laisse la place. Je m'éclipse. La grenade. Et ça va exploser. Je vais demander au public nombreux, ici, à l'extérieur, de bien vouloir applaudir très, très fort nos chanteuses. Voilà, c'est... On aime ce côté live. Livy, Laetitia, c'est à vous.
tu regardes, t'as jamais vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sein là, grenade sous mon sein là, regarde sous mon sein là, grenade. Prends garde sous mon sein là, grenade sous mon sein là, regarde sous mon sein là, grenade. Mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde sous mon sein là, grenade sous mon sein là, regarde sous mon sein là, grenade. Prends garde sous mon sein là, grenade sous mon sein là, regarde sous mon sein là, grenade. Tu t'imagines, je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas. Prends garde sous mon sein là, grenade sous mon sein là, regarde sous mon sein là, grenade. Prends garde sous mon sein là, grenade sous mon sein là, regarde sous mon sein là, grenade. Prends garde. Livy en live dans les studios d'HWM TV pour cette journée particulière. Nous allons tout de suite poursuivre. Alors Livy, tu as décidé d'interpréter un titre qui se prête très très bien aussi à cette journée. Le côté angélique, me semble-t-il. Oui, aussi. C'est bien ça. Oui, ce morceau me plaît beaucoup. Alors, ce que je propose, Livy, on va juste faire un petit direct parce que je sais qu'ils attendent, ils sont avec Monsieur le maire, mais je ne sais pas d'où. Alain, en direct avec nos coureurs, Pascal Campé et Florent Pibou. Ils sont en direct. On les rappelle tout de suite. Voilà, c'est le live en direct. Ils sont là. Voilà. Oui, alors, vous nous entendez, Pascal ? Madame le maire est arrivée, donc on a dit on ne peut pas rater ça. Hein. Ah oui, on est oui. Toujours avec les free run. Et on va interviewer Madame le maire, on va lui dire qu'elle nous dise un petit mot. Merci à Olivier Pinsanel, notre correspondant sur place. La télé, la seule télé indépendante, libre du Gard. Voilà. Qui s'appelle la. Horizon Web Media. Voilà. Vous connaissez ? Non, sur OB. Donc voilà, c'est une nouvelle télé qui s'est montée. Et donc, félicitations. Donc cette télé-là organise un petit peu cet événement-là. D'accord, on a le plaisir de vous rencontrer. Donc voilà, si vous pouvez nous dire un petit mot. J'espère surtout que vous allez pouvoir récolter les fonds suffisants pour cette opération qui est importante et à laquelle nous sommes sensibles. On l'a relayé à notre niveau. Alors, je ne suis pas sportive, je ne cours pas. Mais c'est très gentil. Et ce qu'on peut remarquer en fait dans ce petit tour de village, oui. C'est que les petits villages répondent présents, oui.
Et les gros villages, ben, il n'y a pas grand monde. Ah bon, ben, donc, on a l'impression justement que les petits villages continuent à garder cette âme. Je crois qu'on essaie de le faire au maximum. Là, vous avez l'association qui prirun, dont beaucoup de congénois et congénois sont partis. Donc, voilà. Oui, ils sont partis, oui. On est toujours présent quand il y a des événements importants de ce type-là. Sur le plan humain, bien évidemment. Bien sûr. On est présent. C'est gentil, voilà. C'est gentil en tout cas de nous accueillir. Et ben maintenant, on va aller à Aujargues. Et voilà. Là aussi, on est attendu. Et en principe, dans les petits villages, ça répond présent. Et ben, tant mieux. Puis j'espère que vous aurez le merci succès à Congénie, attendu. Merci à Madame le maire. Vous puissiez financer cette opération qui est très importante. Ok, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Bonne course. Merci. Donc, pour nos rendez-vous à Aujargues. Rendez-vous à Aujargues. De retour en direct dans les studios d'HWM TV avec Livy. Alors voilà, la course se poursuit. Ils sont à Aujargues, ça veut dire que normalement... Non, ils vont à Aujargues. Ils vont à Aujargues. Ah, ils sont à Congénie. Ils sont à Congénie, très bien. Donc tout se passe bien, ils récupèrent les dons. Et on fera le point, bien sûr, avec Pascal Campé et Florent Pibou sur les coups de normalement 17h15. Leur retour dans les studios d'HWM TV pour voir l'ensemble des dons qui ont été collectés dans tous les villages qui ont bien sûr voulu participer. Et tous les habitants, les commerçants qui se sont mobilisés pour permettre à Lilou de poursuivre son traitement en Allemagne dans 15 jours et puis poursuivre aussi dans les mois à venir en espérant bien sûr qu'elle puisse après avoir les protocoles en France. Elle nous l'a expliqué, on verra tout à l'heure et on en reparlera et nous accueillerons aussi Lucie, la secrétaire de l'association Les Mousquetaires de Lilou qui nous donnera de plus amples informations sur l'ensemble de ce protocole en Allemagne. Je vous propose de repartir en musique. Livy, on poursuit, on le disait. Quel est le titre que tu vas nous interpréter ? Angels de Robbie Williams. En live dans les studios d'HWM TV, Livy. Ascending wave, does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we grey and old? 'Cause I have been told there's salvation, let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is there, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh into my bones. And when the love is there, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me.
I'm loving angels instead. Whether I'm right or wrong, and I'm the one to fall. Wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Merci. Livy en live dans les studios d'HWM TV. Livy, je viens vers toi. Je vais demander à Laetitia de bien vouloir venir nous rejoindre également. Voilà, Livy, je voulais juste. Alors, hop, Laetitia, on va te donner ce micro-là. Merci pour cette magnifique et ces magnifiques interprétations. Hop, on va se décaler juste un petit peu pour que tout le monde soit bien voilà, à l'antenne. Vous avez découvert peut-être des voix, vous ne les connaissiez pas. Ben voilà, c'est un grand plaisir aujourd'hui de les accueillir dans les studios d'HWM TV pour cette journée spéciale Espoir. Angel, ça s'y prête, hein ? Ça s'y prête. Et oui, pour Lilou, cet ange, elle est infirmière. Elle a décidé de consacrer sa vie à aider les autres. Il était bien naturel que nous répondions présents pour l'aider et que vous répondiez présent. Alors, c'est le moment où jamais, on arrive à la moitié de l'émission, il faut impérativement faire fonctionner vos contacts. Vous prenez vos agendas, vous prenez tout. Tout ce que vous avez, vous frappez chez les voisins, vous envoyez des mails, des messages et vous dites ça se passe sur Facebook HWM TV. Il y a un chat, on vous donne le lien pour la cagnotte PayPal pour lui permettre de partir et poursuivre ses traitements. Et puis dans les jours qui viennent aussi, hein, parce que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, 17h30, l'émission va s'arrêter, mais pour Lilou, tout continue. Donc on compte sur vous. Je voulais juste revenir là-dessus et on va vous libérer. Je sais que tu as des obligations. Donc je voulais que tu nous parles un petit peu de toi en tant que femme, ton témoignage, parce que tu as été impactée par un cancer. Je sais que là, aujourd'hui, pour toi, tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Je vis bien. Rémission. Rémission. Voilà, rémission. Ça, c'est le mot qui soulage. Oui, comment rémission, tu... oui, on ne parle jamais de guérison, mais on parle de rémission. De rémission. Comment tu as vécu les choses? Parce que toi, la particularité, c'est que ton cancer t'a permis d'être traité en France. Oui. Oui, où, à Nîmes, c'est ça? Sur Nîmes, oui, à l'Institut de cancérologie de Nîmes. De Nîmes, comme quoi nous avons les moyens, des possibilités, nous avons les professeurs, hein, on a un corps médical fantastique et par les temps qui courent, on le sait. Le tout, c'est les décisions politiques, peut-être donner les moyens pour permettre à des triplettes, des jeunes femmes comme Lilou, d'avoir les soins en France, comme toi, tu as pu les avoir. Comment tu as vécu, toi, les choses, le jour où tu as appris que tu avais le cancer en tant que femme? Je me suis effondrée. C'est difficile à accepter. Je crois que je ne l'ai toujours pas accepté d'ailleurs, même si je vais bien aujourd'hui. À moindre. Voilà, c'est un chamboulement dans la vie. Tout bascule. Et on ne sait pas si on va s'en sortir ou pas. Une échéance. Une échéance, voilà. On fait des examens, IRM, tests. Scan, on ne sait pas à quel stade vous en êtes, il faut, on vous annonce le protocole, il faut voir s'il y a des métastases, voilà. Et ensuite, on attaque le traitement. Après, on attaque le traitement et la lourdeur du traitement. Et la lourdeur du traitement, oui, parce que j'ai eu la chimiothérapie, radiothérapie et autre chose encore. Oui. Voilà, j'étais presque au taquet, je crois, en nombre de rayons. J'ai 25 rayons. Voilà.
Bah, je ne sais pas si c'est le nombre de rayons, mais je trouve que tu es rayonnante. Et quand tu chantes, encore plus. Donc voilà, merci pour ce petit témoignage. On va faire très très vite. On a plein d'invités qui sont arrivés. C'est important parce que on ne pense pas que ça peut nous arriver, mais ça peut aussi arriver à quelqu'un de proche. Donc il faut penser à Lilou aussi, parce que demain, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Tout à fait. Et Lilou nous disait la première fois où on s'est rencontrés, c'était à La Scala, au théâtre de La Scala à Marcillargues. Elle disait au départ, je me suis dit, quand les gens ont dit on va monter une cagnotte, on va t'aider, elle a dit oui, mais d'accord, mais pourquoi moi ? Et moi, j'avais envie de dire, si vous vous posez cette question, pourquoi elle ? Peut-être demain, vous ou un proche. Donc c'est le moment ou jamais, n'hésitez pas à donner, on a vraiment vraiment besoin de vous et elle a besoin de nous tous. Soyons tous aujourd'hui mousquetaires de Lilou et pour les semaines et les mois à venir également. Livie, un grand grand merci. Merci beaucoup. Voilà, je vais récupérer ça parce qu'on les désinfecte systématiquement, enfin voilà, protocole Covid oblige. Laetitia, merci aussi. Et puis, vous revenez quand vous voulez dans les studios de HWMTV. Mais on préparera une petite émission, j'aimerais bien, avec Alain. Et on verra si Valérie peut venir, Ricoun venir, pour parler un peu du spectacle dans cette période Covid. Oui. Et parler un petit peu de tout ça. Et puis, de cet univers. Hein, ça serait sympa. Je vous en prie, mesdames. Merci beaucoup et à très, très bientôt. Je vais poser ça, les désinfecter juste après. Je vous rappelle également, et c'est très, très important, et c'est ici, là, le maillot. Regardez, il est là. On va juste décaler un petit peu le micro, on est en live. Soyez les bienvenus, vous êtes ici comme chez vous à la maison. Briançon, Anthony Briançon, le capitaine du Nîmes Olympique, nous a offert ce maillot. C'est le maillot officiel, c'est le sien, numéro 23, capitaine. Il l'a dédicacé, il a mis un petit cœur. Vous avez ici le petit logo avec Ligue 1. Si vous avez envie de l'accrocher chez vous, vous êtes fan de foot, de sport en général, et bien surtout, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Les enchères sont ouvertes. On va vous donner le lien, on va l'écrire, on va le mettre sur la page Facebook. Le lien, c'est www.hwm.radiotv.com/enchères. Tirez maillot, tirez Nîmes. Ok, moi je propose un truc, si quelqu'un peut d'une belle écriture me le mettre sur une feuille, et comme ça je vais le mettre là et puis on va l'accrocher à côté du maillot et puis on va le rappeler plusieurs fois, donc n'hésitez pas, et puis peut-être pour l'offrir à quelqu'un. Voilà, faites monter les enchères, c'est pour Lilou, c'est pour l'aider, voilà. Et on a besoin de vous, vous êtes aussi des mousquetaires aujourd'hui. Puisque je vous parle de foot, et là c'est un privilège, c'est un honneur, c'est un plaisir, alors moi je suis plus ballon ovale. Ah, et nous avons une enchère à 130 euros cette fois-ci. 130 euros cette fois-ci, allez, 130 euros, ça va monter, je sens que ça va monter. Je vous le disais, moi je suis plus ballon ovale, mais j'aime le sport en général. Pourquoi ? Parce que le sport, c'est l'esprit d'équipe. Sans les autres, dans le sport, on n'est rien. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios d'HWMTV, je vais prendre celui-ci, voilà, je vais lui demander de venir et puis je vais désinfecter le micro. Toa Filou, eh oui, Maolida, il est là, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, le micro tout de suite, on est en live. Hop, petite désinfection du micro. Voilà. Et là, de recevoir un attaquant hors pair. Voilà, un attaquant hors pair, un buteur remarquable. L'OM, bien sûr, Olympique de Marseille, et puis Nîmes Olympique. Et puis coach maintenant, enfin coach entraîneur des plus jeunes, hein, centre de formation, c'est bien ça. Tao Filou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios d'HWMTV. Est-ce qu'on peut se dire tu ? Oui. Ouais, hein, aujourd'hui, on est mousquetaires. Allez, on est tous de la grande famille pour Lilou. Tu as répondu présent et tu as dit, bah ouais, moi, je vais venir. Et tu as dit, voilà, on va essayer de faire en sorte, au travers de cette journée, d'aider Lilou et d'aider l'ensemble des jeunes femmes et des personnes. Il y a quelques hommes aussi qui sont atteintes de ce cancer triple négatif. On voudrait, au nom de l'équipe d'HWMTV, mais de l'ensemble des personnes qui ont organisé cette manifestation, du fond du cœur, merci d'être là aujourd'hui. Tu es quelqu'un de cœur, on le sait. Moi, j'ai le souvenir de tout ce que tu pouvais dérouler à chaque fois que tu marquais un but. Pour toi là, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Tout d'abord, je tenais à remercier les élus de OB. Toutes les personnes qui m'ont invité à venir aujourd'hui pour soutenir Lilou. Quand on m'a proposé cette invitation, je n'ai pas hésité une seconde parce que la musique, le sport, le football en général, c'est bien, mais la santé avant tout. Sans la santé, on n'a rien. Donc c'est pour ça que voilà, je serai là présent peu de temps
Et si je peux apporter un petit peu de baume au cœur à Lilou, aux autres personnes qui nous regardent, c'est vraiment avec plaisir. Donc, voilà, je suis content quand je vois le maillot d'Anthony Brunson, oui. Un ami, un ex-coéquipier, un grand homme avec un grand cœur, qui est là aussi pour soutenir Lilou. Donc voilà, ça fait chaud au cœur et de voir autant de personnes mobilisées, réunies autour de Lilou. Donc voilà, c'est que du bonheur et j'espère que beaucoup de personnes se mobiliseront, soutiendront et participeront pour que la cagnotte montera au maximum pour Lilou et afin qu'elle puisse aller en Allemagne et avoir les meilleurs soins possibles. Et poursuivre son traitement. Quelques petites questions. Quand on est sportif de très haut niveau, comme tu l'es, l'esprit du sport, l'esprit de conquête, l'esprit du dépassement de soi fait partie du sport et l'esprit d'équipe aussi. Comme tu le disais, aujourd'hui, on est tous rassemblés et puis peu importe d'où on est, de quel bord politique, de quel univers on est tous rassemblés autour d'une cause. Toi, tu as eu à cœur d'aider les plus jeunes et de transmettre à la fois au travers de ta passion, mais de transmettre ton expérience. Déjà, par mon éducation, c'est ce que mes parents m'ont inculqué. Et avant d'être footballeur, nous sommes des hommes. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes jeunes joueurs. Maintenant, je suis au centre de formation du Nîmes Olympique. Donc voilà, les valeurs humaines avant tout, les principes, comme vous avez dit, la solidarité, l'entraide. Avec tout ça, on peut arriver à beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux d'être là et de partager ce moment avec Lilou. Ben, un grand, grand, grand merci d'avoir répondu présent. C'est un honneur de te recevoir. Le Nîmes Olympique, il se porte comment en ce moment ? Malheureusement, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué. Bah, c'est dans l'heure du temps, le compliqué, hein, je crois. C'est un petit peu compliqué. On est on est barragiste. Oui. Donc il y a un match demain contre Lens qui est très important pour le maintien. Donc j'espère que sur cette dernière ligne droite, c'est la dernière ligne droite du championnat, il reste peu de matchs, d'aller chercher ce maintien parce que le club, pour la ville, les amoureux du Nîmes Olympique, le Nîmes Olympique représente beaucoup pour la région du Gard, pour les Nîmois, les Gardois. Donc j'espère qu'on restera en Ligue 1 parce que le club le mérite, les supporters le méritent. J'ai fait beaucoup de clubs dans ma carrière de footballeur et j'ai peu vu autant de passion, autant de ferveur autour d'un club. C'est pour ça que j'espère que les crocos... À part l'OM quand même, oui, à part l'OM. Oui, oui, il y a beaucoup de clubs que j'ai fait, il y avait beaucoup de passion, que ce soit Marseille, Lens et le reste. Mais je ressens cette passion au quotidien et le Nîmes Olympique mérite d'être en Ligue 1. Donc j'espère de tout cœur, on restera en Ligue 1 et après, on me connaît beaucoup moins pour mes bandettes. Donc, si je peux en faire gagner une, on va mettre une aux enchères pour Lilou, ça serait avec plaisir. Donc, si ceux qui nous regardent aimeraient gagner ou avoir une bandelette, donc avec plaisir, je le ferai pour Lilou. On la mettra aux enchères. Merci beaucoup. Tu le disais, au niveau des... le maintien, à la fois... Pour le staff, pour les joueurs, déjà avant tout, et puis pour les supporters, parce que pénalisé, parce que impossible d'accéder au stade, obligé de regarder les matchs et puis de suivre soit à la radio, soit à la télévision, c'est compliqué. Ça doit être un peu frustrant. Alors, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que toi, tu as la possibilité d'accéder quand il y a un match au stade, quand ça se joue notamment à Nîmes, actuellement avec le Covid ou pas ? Non, plus, c'est veto. Il n'y a que les personnes qui travaillent autour du club, que ce soit les... l'intendant, de l'équipe première, les joueurs, etc. Mais tout ce qui est autre que ces personnes-là, c'est interdit. Donc c'est pour ça que c'est très frustrant. On aimerait, nous, même là, j'ai rencontré beaucoup de supporters nîmois, on aimerait être au concert là pour les soutenir, pour les pousser à la victoire. On connaît tout ce qu'apporte 12e homme, les supporters nîmois. Donc, et je pense que c'est un peu préjudiciable pour l'équipe parce qu'avec un stade de 15 000 au concert plein, je pense qu'il y a beaucoup de matchs ou de points qu'on a raté, qu'on aurait pu gagner. Oui, l'homme supplémentaire, c'est souvent les supporters. Le 12e homme, et je peux vous le dire, le confirmer que ça existe vraiment. Les supporters sont vraiment le 12e homme, et on le ressent, nous, quand on est sur le terrain. On va envoyer des ondes positives, au Nîmes Olympique. Merci beaucoup.
Merci pour cette proposition. Donc, voilà, une des bandelettes à mettre aux enchères. On s'occupera de ça au choix. Au choix, ceux qui m'ont eu l'occasion de l'opportunité de me voir jouer. Il y a des bandelettes que j'ai sorties, que ça peut être pour Marseille, pour Nîmes ou pour Lens. J'ai les gardes. Je garde les bandelettes, donc je pourrai en sortir une pour une personne au choix qui fait le plus d'enchères et ça sera pour Lilou. Donc voilà, c'est pour ça, mobilisez-vous et on a besoin du maximum de personnes. Tao Filou, un grand merci. On va te souhaiter une bonne continuation à tous les jeunes que tu coaches, que tu entraînes. On va souhaiter bien sûr demain le meilleur pour l'équipe du Nîmes Olympique. Et puis tu reviens quand tu veux à HWMTV. Et merci pour ton grand cœur. Merci à vous, à bientôt. À très bientôt, merci. En direct des studios. On vous l'avait dit, hein, une journée des plus conviviales, une journée en toute simplicité pour Lilou, pour lui permettre de repartir en Allemagne d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines maintenant. Et il faut que la cagnotte monte, il faut qu'elle puisse continuer ce traitement, c'est impératif. On reviendra tout à l'heure sur les enchères du maillot. Maintenant, nous avons une bandelette, alors vous l'aurez compris, vous choisirez vous-même la bandelette. On mettra bandelette aux enchères, offerte par Tao Filou Maouleda, et ensuite vous choisirez vous et vous verrez directement avec lui. Voilà, c'est cadeau, c'est pour Lilou, c'est pour l'aider. On va tout de suite, et je vais vous proposer de faire une petite page musicale, et je vais accueillir le duo Glamifique. Je vais demander à Franck et Estelle de bien vouloir venir me rejoindre et on va repartir en musique live puisque aujourd'hui, vous le savez, live is life dans les studios d'HWMTV. Le fil rouge. Venez sur le plateau. Le fil rouge. Alors, je ne sais pas s'ils m'entendent. Vous m'entendez? Moi, je ne peux pas les entendre. Je vais demander à Alain de venir. Nos coureurs de l'espoir, Pascal Campé et Florent Pibou, ils sont quelque part, un village, des nouveaux dons. On va tout savoir. Alain, c'est à toi. Alors, ils doivent être à Aujargues. Oui, je reconnais le village. Regardez, hop. Voilà, et qu'est-ce que... Aujargues pour Lilou. Oh, que c'est beau. Voilà, ça, merci Aujargues. Aujargues pour Lilou. Ils ont un mis petit sur village, le... mais un village accueillant. Regardez, un village accueillant. Corps, c'est vrai qu'Aujargues, c'est un beau village. Et voilà les gens qui vont nous remettre donc. Voilà. L'enveloppe. De toute façon, il n'y a pas de carton. Est-ce qu'on est à l'heure, Alain? Dis-nous. Alors, ben, écoute, ça c'est même 16h30. Donc 16h30, vous êtes dans les temps. On est dans les temps. Voilà. Et puis si on finit à 17h35, c'est pas grave. D'accord. Ok. Voilà. Donc voilà, vous assistez à la remise officielle. La remise officielle. Pour Lilou. De la part d'Aujargues, merci Aujargues. Merci Aujargues, merci les gars. On vous attend à Aubé. Bon, vous avez encore Junas à passer. Voilà. Ouais, on passe Junas rapide. Hein. On est vite à Aubé. D'accord. Très bien. Allez. À plus. À plus. Au revoir. Bye. De retour en direct, ils sont à Aujargues, c'est bien ça. Et le duo Glamifique qu'on vous a présenté. Ben ouais, c'est votre village. Oui. Ils sont chez vous et je pense que ouais, les dons vont être. On se mobilise. On y va, on y croit. Le duo Glamifique, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, vous venez de nous rejoindre dans les studios d'HWMTV pour cette grande journée live placée sous le signe de l'espoir. L'espoir de la vie, dans la joie, dans la bonne humeur, il y aura de l'humour. Tout à l'heure, je vous en dirai un petit peu plus. Retour en musique sur le live avec Franck et Estelle. Écoutez bien, peut-être que vous allez les découvrir, peut-être que vous allez les retrouver, vous les avez peut-être déjà entendus. Et en plus, vous allez voir, il y a une osmose à la fois de voix, mais il y a aussi une osmose de cœur. Et le cœur aujourd'hui, c'est important, le vôtre aussi. Pensez-y, la cagnotte, le live en musique HWMTV, le duo Glamifique. Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel
Talking to you across the water, across the deep blue ocean, across the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been what I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where it has stayed. Lucky to be coming home someday. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Tell me I'm the lucky one you worship and adore. SL et Franck, le duo glamifique en direct dans les studios d'HWMTV. Je vais vous proposer que tout de suite on en fasse une deuxième parce que franchement là on se régale. Merci beaucoup. Aussi, donc c'est pas... bah, écoutez. Merci. Un petit Alicia Keys. Voilà. Some people live for a fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think about the physical thing. Define what's within. And I've been there before. And I like to bore some fool on the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, rings. Some just want everything. Everything mean nothing. If I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain that promises forever young. Some people need 3,000 roses. And that's the only way to prove your love for them.
Hear me the world on a silver platter. And what good would it be with no one to share, with no one who truly cares for me? Some people want it all, but I don't want nothing at all. If me and you, baby, some people want a diamond rings, some just want everything. Everything mean nothing if I ain't got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, I ain't got you, baby. Some people want a diamond rings, some just want everything. Everything mean if I ain't got you, Glamifique en live dans les studios d'HWM TV. Franck, Estelle, je vais vous remercier. On va tranquillement prendre le temps, débarrasser, poser tout ça. Et puis, ben, on va poursuivre. On vous retrouve tout à l'heure. Hein, et en musique. Allez, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Nous allons juste le temps de débarrasser tout ça parce que nous sommes en live, vous le savez. Cette grande journée placée sous le signe de l'espoir. L'espoir de vie pour Lilou, lui permettre d'ici 15 jours de poursuivre son traitement en Allemagne. Et j'ai envie de dire, on va devenir sérieux sans le devenir, puisque nous allons recevoir deux personnes et attaquer la partie un petit peu politique et poser quelques questions qui piquent et qui grattent un petit peu. Mais ils ont décidé de répondre aujourd'hui et donc c'est avec un grand, grand plaisir que nous les accueillons. Je vais juste installer ceci et puis désinfecter les micros puisque protocole sanitaire oblige, distanciation et absolument tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai un premier micro ici, un deuxième micro ici. Vous êtes en live, vous avez la possibilité de continuer à faire grimper la cagnotte pour permettre à Lilou de poursuivre son traitement et puis aussi au travers de l'association Les Mousquetaires de Lilou, puisque nous sommes tous des mousquetaires aujourd'hui. Voilà, on va récupérer le gel hydroalcoolique là-bas. Ah bah super, bah il y a le gel hydroalcoolique, c'est fantastique. Merci beaucoup Nicole. Donc je vous le disais, les triplettes, l'association Les Mousquetaires de Lilou. Et nous recevrons tout à l'heure Lucie qui sera ici en live avec nous. Je vais demander Alain, s'il te plaît, si les personnes qui sont juste à l'entrée peuvent juste un tout petit peu moins fort parce que ça résonne dans les micros. Voilà, super. Mais c'est le live, hein. C'est comme si on était à la maison. Je vais désinfecter ceci. Hop, voilà, on change. Merci. Ah oui, il faut. Hein. Tout en live, hein, tout en live. Après, j'attaque la cuisine et on mange tous ensemble ce soir. C'est ça, c'est le live HWMTV. On ne peut pas, il y a le couvre-feu. Ah oui, c'est vrai, il y a le couvre-feu. Bon, bah, tout le monde dormira là, alors, pour la peine. Je vais vous inviter à vous asseoir ici. Et j'accueille aujourd'hui Monsieur Angèle Pobeau, maire d'Aubé, et Monsieur Maisonnet, qui est député du Gard, deuxième circonscription. Tenez, je vous donne le micro. Voilà. On va faire un petit essai juste pour voir si les micros sont bien activés. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Voilà, c'est parfait. Les micros sont activés. Et je vous remercie d'avoir répondu présent, d'avoir décidé de venir. Alors, je vais m'adresser à vous, monsieur le maire. Merci de nous avoir permis d'organiser cet événement et puis d'avoir mobilisé la municipalité. J'ai eu le plaisir de voir sur le journal, le panneau, le lumineux, c'est le journal, dans les rues d'Aubé, de voir que vous aviez annoncé cette journée, que vous aviez annoncé la grande course de l'espoir, Pascal Campé, qu'on retrouvera tout à l'heure, et qui sera là hein, d'ici maintenant, je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure. Vous avez décidé de répondre présent d'une belle manière. Municipalité de cœur ?
Oui, complètement. Ouais. Municipalité de cœur. Moi, je vous remercie à vous d'être à l'initiative de cette organisation et de cet instant. C'est important pour Lilou. Je le disais, effectivement, toutes les causes sont importantes et ce n'est pas facile de se mobiliser sur toutes les causes. Par contre, c'est l'idée aussi aujourd'hui de pouvoir créer une dynamique et d'inciter toutes les personnes à travers le pays de se mobiliser pour toutes les causes comme Lilou, parce que malheureusement, Lilou n'est pas tout seul dans ce cas, mais il y en a d'autres. Et c'est de créer un petit peu cette dynamique et cet espoir de se mobiliser de manière importante autour des causes qui nous semblent justes, et c'en est une. Voilà. Vous avez décidé de faire un don, me semble-t-il. Complètement. Donc, mais pas plus tard que hier, au conseil municipal, nous avons voté un don d'un montant de 1 000 euros qui sera donné, alors pour des raisons pratiques pour nous, à HWMTV. Et donc HWMTV, par le biais de son président, donc Alain Galtier, s'engage bien entendu à faire ce chèque aux mousquetaires pour Lilou et nous fera d'ailleurs certainement un petit message sur Facebook au moment où il le fera. Alors je peux le dire, je sais que le chèque est déjà rempli, il est prêt. Tout est déjà fait pour que les choses soient très claires, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je vais m'adresser à vous, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur Maisonnet. C'est un honneur de vous recevoir dans les studios d'HWMTV pour ce live de l'espoir. Une personne du Gard, et il en est quantité très certainement, impactée par ce cancer triple négatif. Et j'ai une première question, on en a parlé, c'est la question qui pique un peu. Voilà, et là, je m'adresse à un député parce que moi, ça m'a paru quand même un petit peu étrange de se dire pourquoi une jeune fille qui doit d'abord se battre pour continuer à vivre, qui doit se battre simplement au travers des traitements, parce que c'est violent quand même, hein, la chimiothérapie, les rayons. On a des super centres hospitaliers, on a des professeurs, on a des chercheurs, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi devoir partir en Allemagne? Alors, pour replacer les choses dans leur contexte, moi j'ai découvert la situation que traversait Lilou grâce à HW Média. Et je dois dire que je ne savais pas moi-même ce qu'était un cancer du sein triple négatif. Donc j'ai vraiment découvert cela et j'ai eu plaisir à échanger par téléphone avec Lilou, qui d'ailleurs qui a été extrêmement... ça a été un moment extrêmement touchant parce que j'ai découvert une personne pleine de joie, pleine d'envie de vivre et très combative. Et vraiment, je me suis dit, bon, si je peux aussi de mon côté aider, je le ferai bien volontiers. Moi, mon propos, il va être assez général sur le système de soins, sur le système de santé français. Dans les années 2000, l'OMS disait que le système de santé français était le meilleur au monde. Cette année, avec la crise, on a vu, notamment pour les cas de cancer, on a vu avec quelque part la faillite de ce système de santé. On a vu... on s'est aperçu qu'en fait, effectivement, il y avait eu 100 000 lits d'hôpitaux fermés en 20 ans, qu'il y avait eu... je suis un petit peu long, mais... Je vous en prie. Qu'il y avait eu une centaine d'hôpitaux fermés en moins de 10 ans, des hôpitaux de proximité. Voilà, on voit quand même que le système de santé français s'est un petit peu délité. Et pendant la crise, on s'est aperçu qu'à cause de cet engorgement dans les hôpitaux, eh bien, il y avait des diagnostics cancer qui n'était pas fait, et ça se compte en dizaines de milliers, voire plus. Donc, oui, vous avez raison de poser la question. Le micro plus près de la bouche, s'il vous plaît, merci. Lilou, aujourd'hui, est obligé d'aller en Allemagne, parce que je crois que l'État, je ne vise pas un gouvernement particulier, on ne fait pas de politique politicienne. Ah non, on est d'accord. Mais à un moment donné, l'État s'est affaibli, n'a plus été un État stratège en termes de santé. Il y a des tas de molécules utiles pour combattre le cancer qui sont aujourd'hui produites en Asie, plus du tout en France, ce qui crée parfois des pénuries. J'ai parlé de l'engorgement des hôpitaux. Mais en même temps, si vous voulez, philosophiquement, on a quand même un système qui est très juste parce que chacun a accès aux soins. Donc c'est un système qui est imparfait. Aujourd'hui, il y a certains traitements de chimio, qui sont possibles dans les situations de cancer. Peut-être qu'il y a un blocage aussi administratif qui fait qu'on ne teste pas des protocoles novateurs
comme ça, peut-être dans cette situation. Je ne suis pas un expert du domaine, mais c'est vrai qu'il faut se poser la question. Il faut se poser la question de d'une volonté aussi quand même politique d'œuvrer à un système de santé extrêmement performant, comme ça l'était dans les années, je dirais, 80-90. Quoi. Voilà, alors aujourd'hui, Lilou va en Allemagne, ça lui coûte extrêmement cher. Les gens sont obligés de se mobiliser. Vraiment une belle journée aujourd'hui. On voit quand même que y a des gens, il faut qu'il y en ait encore plus qui se mobilisent. Mais moi, j'interviendrai quand même auprès du ministre pour essayer de comprendre cette situation et pour essayer de faire en sorte que les 13 000 personnes qui sont atteintes de cancer triple négatif, je crois que c'est 13 000, si je ne me trompe pas, de 13 000 femmes qui sont relativement jeunes, en plus, c'est ça oui. qui est le plus difficile à entendre, pour que cette situation change, quoi, voilà. Oui, il faut que ça change. Et on est en droit, quand on est comme moi, un citoyen lambda, de se dire, mais si elle avait dû partir aux États-Unis, on aurait pu comprendre. L'Allemagne, la zone euro, l'Europe, la construction, le lien, tout le monde ensemble, pareil. Et là, on s'aperçoit que non. Et en plus, dans une difficulté de vie, parce qu'il y a une échéance. Il y a une échéance, hein, c'est la vie, c'est la mort. Et toute la difficulté, vous le soulignez, de devoir partir aussi en Allemagne quand on est impacté. Le trajet, la logistique pour sa famille. Et c'est valable pour, les 13 000, en gros, personnes impactées par ce cancer triple négatif. Si vous avez la possibilité, au travers peut-être de votre venue, de la découverte et de la rencontre avec Lilou, de faire remonter tout ça là-haut. Et au-delà de tout parti politique, parce qu'à un moment donné, le politique doit s'effacer et laisser la place à l'humain. Tout à fait. C'est pour ça que je ne ferai pas de commentaires sur ce que vous avez dit sur l'Union européenne. Je comprends bien. Je partage votre préoccupation et évidemment, je ferai ce qu'il faut pour que ça remonte directement au ministre de la Santé, évidemment. Et je me devais de l'exprimer moi en tant que citoyen pour que peut-être si des personnes haut placées nous entendent, que peut-être ça fasse boule de neige et qu'on puisse permettre à toutes les triplettes et aux quelques hommes impactés aussi, parce que certains hommes sont impactés par ce cancer, faire bouger les choses et pouvoir au moins dire on se soigne en France. Je vais vous remercier parce qu'on a quantité de personnes à faire passer. Vous voulez rajouter un mot, monsieur le maire ? Non, je voulais dire merci à vous, merci encore une fois, et puis merci surtout à toutes les personnes qui sont mobilisées. Et je voulais remercier aussi l'ensemble de mes collègues maires, dont certains sont présents aujourd'hui ici, qui ont participé là, dans des 9 communes. Et il y a nos sportifs et Pascal Campé, qui est un sportif obésien de longue date et engagé dans toutes les bonnes causes. Voilà. Merci monsieur Pobo, maire d'Aubé. Merci monsieur Maisonnet, député. Je vais récupérer ça. Merci. Juste le temps de désinfecter les micros, puisque protocole sanitaire oblige. On prend toutes les précautions nécessaires. On a organisé cette grande journée et on a besoin de vous. Je vous le rappelle, Lilou doit partir impérativement dans 15 jours. Dans 15 jours, il faut qu'elle poursuive son traitement. Il est hors de question qu'elle arrête son traitement. Il faut faire monter la cagnotte. Donc, servez-vous de l'intégralité de vos contacts. Vous prenez votre téléphone, vous envoyez des mails, vous en parlez à vos voisins, vous en parlez à tout le monde. C'est le moment ou jamais. Oui, Alain ? Prépare, oui. Oui, c'est ça. Pendant que tu prépares les micros pour Rikun, je crois, c'est Rikun qui revient avec son guitariste. On va partir en musique. Hein. Voilà. On va faire un petit direct avec nos coureurs. Ah, le direct avec les coureurs, la course de l'espoir pour Lilou, pour l'ensemble de l'association Les Mousquetaires de Lilou. Ils sont où ? Où sont nos coureurs de l'espoir ? Ils sont pas loin. Hein. Ils sont pas loin. On va les contacter. Nous sommes en direct. Le live. Vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? On vous entend. C'est bon. Donc, on n'était pas attendu, en fait. Hein. On est arrivé à Aujargues. Et puis, vous savez comment... À Junas. Ouais. Vous savez comment nous, on est souvent attiré par... Alors, je vais le filmer un petit peu. Voilà. On est tombé devant ce sympathique Ibar. Bon, et en fait, on a rencontré un des patrons de l'Ibar, hein, Thomas. Et il nous a généreusement donné quelque chose. Donc, on le remercie. On voulait faire la pub pour son Ibar. Eh bien, vous avez bien fait. Oh, bon, c'est le Ibar à Junas. Merci.
Voilà, le Ibar. Merci, Junas. Vous bien reçu. Et donc, on vous a... on vous attend eux, ils aiment les Nibars, à Aubé hein. Dans quelques merci. Minutes. Ok, on arrive. Allez, à tout à l'heure. Allez. Ils seront de retour à AOB dans quelques minutes. Donc, combien de temps à peu près, Alain? Quoi, 15 minutes, 20 minutes? 15, 20 minutes. 15 minutes, ils sont là, ouais. Très bien. Nous allons repartir en musique avec le parrain de cette journée d'exception, placé sous le signe de l'espoir. Il a répondu présent, un artiste au grand cœur, auteur, compositeur, interprète. Vous l'avez forcément vu dans des grandes fiestas, je pense la Feria. Moi, je me rappelle de Béziers. Voilà, hein, c'était du côté du truc du rugby. Voilà, j'avais découvert Rikoun. Il a décidé d'être le parrain. Il est venu avec Patrick, son guitariste, nous interpréter quelques titres en live. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur HWM TV. Pour vous, Rikoun en live. Si j'étais Marseillais, je serais un cagou. De Millau à Rodez, je serais un tribou. Si j'étais Toulonnais, pilou, pilou. Si j'étais Lensois, je serais mort de froid. Si j'étais Toulousain, je serais Capitole de Castelnaudary. Je serais Cassoulet. Si j'étais Catalan, je serais un fouet. Si j'étais de Bastia, je serais muet. Si j'étais de Bayonne, je serais l'Aviron. Si j'étais de Belleville, je serais conscrit. Si j'étais de Blagnac, je serais un avion. Si j'étais de Paris, je serais travesti. Mais je ne suis que Rikoun, un simple troubadour. Je connais toutes les routes autour du tour du Pic Saint-Loup. Avec mon accent des quatre coins du midi, je vous mettrai les points sur les i, n'en déplaise aux élites de la capitale. Je remplirai les zéniths avec ma chorale. Je couperai le canal de ma télévision. Dans nos régions, on a le web à la maison. On a le web. On a le web à la maison. On a le web. On a le web. On a le web à la maison. Si j'étais de Sochaux, je serais un lion. Si j'étais de Lyon, je serais un petit gone. Si j'étais de Strasbourg, je serais la cigogne. Si j'habitais à Lille, je serais un ch'ti. Si j'étais stéphanois, j'aurais un drapeau vert. Si j'étais breton, j'aurais un bonnet rouge. Si j'étais ardéchois, j'aurais le cœur fidèle. Si j'étais de Nancy, je serais Platini. Si je venais d'Agen, je serais un pruneau. Si j'étais d'Orléans, je serais un puceau. Si j'étais la bêtise, je serais de Cambrai. Si j'étais de Narbonne, j'aurais la tête plate. Mais je ne suis que Rikoun, un simple troubadour. Je connais toutes les routes autour du tour du Pic Saint-Loup. Avec mon accent du quatre coins du midi, je vous mettrai les points sur les i, n'en déplaise aux élites de la capitale. Je remplirai les zéniths avec ma chorale. Je couperai le canal de ma télévision. Dans nos régions, on a le web à la maison. On a le web. On a le web, on a le web à la maison. On a le web. On a le web, on a le web à la maison. Si j'étais de Collioure, je serais un anchois. Si j'étais de Calais, j'aurais pas le choix. Si j'étais de Clermont, je serais un pneu. Si j'étais d'Avignon, Mireille Mathieu. Si j'étais de Limoux, je serais la Blanquette de Montélimar. Je serais un nougat. Si j'étais de Bordeaux, je serais un château. Et de Monaco, je serais le casino. Si j'étais de Sète, je serais la Zézette du Mont-Saint-Michel, la mer Poulard. Si j'étais d'Espelette, je serais un piment. Si j'étais un filet, je serais mignon. Mais je ne suis que Rikoun, un simple troubadour. Je connais toutes les routes autour du tour du Pic Saint-Loup. Avec mon accent des quatre coins du midi, je vous mettrai les points sur les i, n'en déplaise aux élites de la capitale. Je remplirai les zéniths avec ma chorale. Je couperai le canal de ma télévision. Dans nos régions, on a le web à la maison. On a le web. On a le web, on a le web à la maison. On a le web. On a le web, on a le web à la maison. On a le web. On a le web, on a le web à la maison. On a le web. On a le web, on a le web à la maison. On a le web.
Alors maintenant, une petite chanson que je voudrais dédier à un petit fan Ricoune. Qui est parmi nous, qui s'appelle Mathis. Ricoune, tu te rappelles, au Parnasse, les gens croyaient que tu disais on a l'OM à la maison. Et non, c'est le web. Et oui. Le web, on a le web ici aussi, à oui. OB. Et oui. HWMTV. La fibre. On a la fibre. Allez, c'est pour toi, Mathis. Hein? Je suis rentré dans le bar. Il était midi moins le quart. Je me suis assis comme toi. J'ai commandé un petit Ricard. Tous les clients m'ont regardé. Ils m'ont pris pour un Marseillais. J'ai sorti un billet de 100 francs. Ils se sont moqués de mon accent. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans boire la tournée du patron. Hey, hey. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Hey, hey. Avant de rentrer à la maison, Ricard, sinon rien, et je reviendrai demain. Pendant que le curé fait la messe, pendant qu'il s'occupe de nos gonzesses, nous on fait la prière du matin. Donnez-nous notre Ricard quotidien. Il faut surtout pas oublier les olives et les petits salés. Demandez gentiment au patron de vous le servir avec un glaçon. Je Hey, hey. Laissez-moi le consommer avec modération. Hey, hey. On va pas se disputer pour payer l'addition. Hey, hey. Je partirai pas sans boire la tournée du patron. Hey, hey. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Hey, hey. Avant de rentrer à la maison, sinon rien, et je reviendrai demain. Quand je suis ressorti du bar, j'ai reçu un grand coup de barre. Ma copine était en colère. Elle m'a insulté d'un air sévère. Avec ton petit Ricard, tu me mets les ballons. Hey, hey. Tu vas faire tes valises et quitter la maison. Hey, hey. Ça fait déjà longtemps que je te mets la pression. Hey, hey. Et ça rentre dans l'oreille et ça ressort à fond. Hey, hey. N'oublie pas tous tes costumes et tes pantalons. Avant de partir de la maison, on se voit le dernier et on se revoit jamais, et jamais, et jamais. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans voir la tournée du patron. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Avant de rentrer à la maison, un Ricard sinon rien, et je reviendrai demain. Je voudrais
que tout le monde mette un peu de sous dans la cagnotte à Lilou. Ça serait vraiment sympa de vous mobiliser. Allez-y fouiller dans votre porte-monnaie. Je suis sûr que vous allez trouver 1 ou 2 euros. Et si vous en trouvez 10, c'est encore mieux. Avant de terminer la journée, je veux que vous fassiez exploser la cagnotte. Explosez-moi cette cagnotte! Allez, qu'est-ce qu'on leur fait là? La goutte de trop? Allez. Allez, un petit dernier. Si la mère d'Hitler était tombée à terre au dernier coup de rein de son père en fureur, le vilain rejetant à la moustache noire et finit sa course au fond d'une baignoire. Si le père des mouches avait visé la bouche, aurait-on économisé 4 cartouches? Si le père du trou s'était trompé de trou, le pédo aurait filé dans les égouts. Une goutte qui germe, si elle est bien dosée, quand elle arrive à terme, ça fait un beau bébé. Mais si l'enfant qui va naître est porteur de mal-être, ça peut changer la donne de l'humanité. Si le père et la mère d'Émile Louis au moment fatidique étaient tombés du lit, le tueur en série nous aurait épargné les rediffusions de « Faites entrer l'accusé ». Si le papa barbu du petit Ben Laden avait eu l'idée de jouer avec sa main, la semence aurait fini dans un sopalin et un souci de moins pour les Américains. Une goutte qui germe, si elle est bien dosée, quand elle arrive à terme, ça fait un beau bébé. Mais si l'enfant qui va naître est porteur de mal-être, ça peut changer la donne de l'humanité. Si la mère Jaurès avait serré les fesses, aurait-on profité de la liberté? Si le père de Gaulle n'avait pas eu la gueule, on aurait sûrement parlé allemand. Et si avec des si on refaisait le monde, si on pouvait stopper la goutte féconde, il n'y aurait que des gens comme vous et moi, et plus un seul bâtard pour écrire l'histoire. Une goutte qui germe, si elle est bien dosée, quand elle arrive à terme, ça fait un beau bébé. Mais si l'enfant qui va naître est porteur de mal-être, ça peut changer la donne de l'humanité. La 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 la. Mais si l'enfant qui va naître est porteur de mal-être, ça peut changer la donne de l'humanité. Une goutte qui germe, si elle est bien dosée, quand elle arrive à terme, ça fait un beau bébé. Mais si l'enfant qui va naître est porteur de mal-être, ça peut changer la donne de l'humanité. Ricoun, et continuez à vous mobiliser pour Lilou. Oui, s'il vous plaît. On continue à se mobiliser pour Lilou. On continue toujours, à se mobiliser, toujours. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, cher parrain, de cette belle journée. Merci, merci. On va se retrouver tout à l'heure. Hein, voilà, on oui, va tranquillement débarrasser tout ça. Je vais vous aider. Hop, on peut poser les guitares sur le canapé. On l'a prévu pour. Et vous rappelez, puisque je suis juste à côté, les enchères. Les enchères, ici. C'est marqué, hein, Anthony Briançon,
le capitaine numéro 23 qui a offert son t-shirt officiel. Il l'a dédicacé, c'est ici, un joli petit cœur. Et vous avez Ligue 1. Si vous avez envie d'acquérir ce maillot officiel du Nîmes Olympique, du capitaine, eh bien, faites monter les enchères. Et il sera à vous si vous connaissez quelqu'un qui est fan de foot. Il est pour l'instant à 130 euros. 130 euros, allez, on va faire monter les enchères. Il part à 130 euros, il est à 130 euros. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Mais je suis persuadé que ça va monter. Et puis, il y a aujourd'hui, il y a demain. Donc, il n'y a pas de raison, ça va forcément monter. Je vais demander à quelqu'un si on peut aller chercher Madame le maire de Congénie et Monsieur le maire... De Mus, ils sont dans la cour parce que protocole sanitaire Madame oblige, on ne peut pas Congénie accueillir tout le monde, vous le savez, on est en pleine période de Covid et nous prenons toutes les précautions nécessaires. C'est pourquoi je vais demander à Nicole, notre assistante qui s'occupe du chat, c'est elle qui vous donne le lien pour le PayPal. Donc surtout, n'hésitez pas de me donner un petit peu de gel hydroalcoolique pour les micros que je vais transmettre à monsieur et madame le maire qui viennent d'arriver. Il s'est passé plein de choses du côté de Congénie et du côté de Mus également, puisque vous le savez, Pascal Campé et Florent Pibault ont décidé d'organiser une belle course. Attention à la marche en entrant. Je vais une belle course de l'espoir. Ils sont passés là-bas et les dons sont arrivés en même temps que Madame et Monsieur le maire. Donc, merci beaucoup, Nicole. Madame Fabienne Duisme et Monsieur Patrick Bénézèche. C'est bonjour, là-bas que ça se passe. Soyez les bienvenus. Je vous invite à vous asseoir. Voilà. Hop, désinfection pour le protocole. Voilà. Mais je vous en prie. Je vous invite à vous asseoir également, Monsieur le maire. Voilà pour vous. Je pense qu'on va inviter également Lucie Dussault, ah oui, Lucie, de l'association, voilà, tout à fait, Lucie, des Mousquetaires de Lilou. Lucie, hop, je vais en profiter pour me désinfecter les mains. Nous sommes en live dans les studios d'HW. Bon, ben oui, sérieux, pour recevoir les... Obtenez, regardez, voilà, je vous le donne. Donc en direct dans les studios, c'est un live, c'est une journée particulière. C'est pour aller recevoir les, signe de l'espoir, les cadeaux. Pour permettre à, voilà. À, oui, permettre à Lilou de partir. Partir dans trois semaines maintenant, 15 jours, 3 semaines. Vas-y, Lucie, viens. Je vais t'inviter à venir te mettre ici, voilà, juste à côté de moi. Donc je vous présente Lucie qui est la secrétaire de l'association Lucie Les Mousquetaires de Lilou. Lucie, je vais te donner également un micro et on va le désinfecter également. Hop, je vais demander si on peut avoir de quoi désinfecter le micro pour Lucie. C'est très très important. Et nous allons pouvoir faire le point avec voilà, monsieur le maire de Mus, madame le maire de Congénie, sur un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, une journée mouvementée. Parce que c'est vrai qu'on a organisé tout cet événement, mais on l'a organisé très très rapidement. Et je voudrais, au nom d'HWM, et puis au nom de l'association aussi, vous remercier. Parce que vous avez su répondre présent, les habitants se sont mobilisés, les commerçants, tout le monde. Donc voilà, vous remercier, puis vous remercier d'avoir fait le petit détour par Aubé et de venir nous voir. Je vais commencer, on va laisser la parole à madame. Madame le maire, vos impressions sur cette journée et puis un petit mot pour nos téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, on a tenu tout particulièrement. Bonjour. Alain. Oui. Ah non, c'est dehors que c'est Alain. Pardon, ah non, allez-y. Donc nous sommes plusieurs, effectivement, habitants de Congénie, à avoir fait le déplacement jusqu'à Aubé. Nous avons relayé, bien évidemment, cette cause qui... Congénie est toujours prêt à se mobiliser lorsqu'il y a des causes qui nous touchent tout particulièrement. C'est le cas. Et je remercie donc l'association d'un travail qui a été fait. Le micro, s'il vous plaît, le micro, oui. Bien devant la bouche. Merci. Voilà, excusez-moi. Je recommence. Non, c'est bon. Excusez-moi. Et donc, nous avons relayé sur le Facebook de la mairie l'événement. Et je salue tout particulièrement la mobilisation de l'association Freerun, que vous connaissez sans doute, qui a participé à pied, en suant, à cet événement et qui nous a rejoints ici à Aubé. Donc, je suis tout particulièrement... sensible et je relaie la mobilisation des habitants de Congénie et je souhaite que cet événement apporte tous les espoirs ou l'espoir qui permettra à Lilou d'avoir donc les traitements qui lui sont nécessaires et donc j'espère que la mobilisation notamment financière sera suffisante au-delà évidemment de l'entourage et de l'amitié qui peuvent l'entourer, je dirais. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps en tout cas et
Je salue évidemment la mobilisation aussi d'Aubé, de Mus et d'autres villages. Je crois que nous sommes toujours solidaires lorsqu'il y a des causes importantes. Nous en avons eu d'autres sur Congénie qui ont également évidemment mobilisé beaucoup d'énergie. Donc voilà, on répond quand il le faut et on souhaite qu'il y ait beaucoup de succès pour cette opération qui a effectivement mobilisé beaucoup de monde et d'énergie, comme vous le disiez aujourd'hui. Mobilisé voilà. Avec le cœur, et je précise pour les téléspectateurs, téléspectatrices, autant Pascal Campé est un... alors il n'est pas professionnel, mais c'est un marathonien. Les Freerun, non, c'est une association, ils courent pour le plaisir. Et ils ont répondu présent, et c'est à saluer. Voilà, c'est pour ça que j'ai insisté sur la mobilisation de l'association Freerun. Alors moi, j'aurais bien couru, mais j'ai un peu de mal, comme je le dis en plaisantant. Donc je n'ai pas venu en short et en basket, mais en tout cas, je salue leur effort. Il y a certains d'entre nous également, on fait un petit peu de trajet en vélo, je crois. Oui. Pas sur la durée, évidemment, du trajet qui était important. Mais voilà, c'est un signe de mobilisation. Et on a l'équipe municipale est jeune. On a plusieurs conseillers municipaux qui sont ici d'ailleurs, qui sont aussi membres de Freerun. Donc il y a une mobilisation toujours qui est relayée. Et on souhaite, avec le conseil municipal, s'associer du mieux que nous pouvons à des actions et à des causes importantes, comme c'est le cas aujourd'hui. Le don de soi pour répondre avec le cœur. Absolument. C'est ça. C'était une belle formule. Merci. Merci. Monsieur le maire de Mus, alors, vos impressions, vous, sur cette journée ? Alors, cette journée, sur Mus, on a répondu plutôt présent. Ah, très présent, même. Je vais en profiter pour remercier. Je vais vous citer déjà un petit peu toutes les animations qu'on a pu faire. Donc, ça a commencé ce matin par un concours de pétanque. On avait rendez-vous à 13h30 après sur la place. Donc, il y avait la vente des billets de Tombola. Donc, j'en profite pour remercier les sponsors, c'est-à-dire Syngenta, le bar de l'Étoile. Je crois que j'oublie personne. En fait, c'était les deux principaux lots. Je remercie aussi Boulanger qui est venu en secours pour vendre les billets de Tombola parce que notre buraliste a été cas contact. Donc, on a été obligé de changer de lieu de vente des billets. Donc, la Tombola, ça a plutôt bien marché puisqu'on a vendu pratiquement 200 billets. Ah oui, belle tombola. Voilà. Alors après, il faut que je vous parle un petit peu de mon équipe municipale, parce que oui. Voilà, je suis venu, par exemple, avec mes trois adjoints, mais toute l'équipe municipale, et pas que, mais c'est bien investi pour cette journée. On regrette un petit peu que le passage des coureurs soit aussi tôt dans l'après-midi, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on vient tardivement... apporter ce qu'on a récolté. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? En tout cas, une belle manifestation, une belle organisation, et puis l'élan du cœur, une fois de plus, dans le village de Mus. Ouais. Et puis bon, je trouve que... Moi, je tiens à remercier aussi Horizon Web Media, parce que, et les coureurs, hein, Pascal Campé. Parce que moi je trouve que ce lien qu'il y a entre les villages à travers ces coureurs, c'est très positif. Tout à fait. Pour une noble cause. Noble cause. Et par les temps qui courent en plus. Voilà. C'était un petit peu la difficulté hein, pour organiser toutes ces manifestations. On est toujours à se poser la question est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, sans prendre de risques. Bon. Oui. Les responsabilités. Tout à fait. Voilà. On aura tous fait au mieux. Et puis, c'était pour une cause particulière. Et puis, c'est un souffle de vie qui a été véhiculé dans vos deux villages aujourd'hui. Vous êtes arrivé avec, je vois, une petite boîte, une petite pochette. Voilà. Oui, vous pouvez. Oui. Alors, on a récolté 730 euros. Alors, il a été récolté 730 euros à Mus. 730 euros. Voilà, là, pour le coup, la cagnotte va monter. Alors bien sûr, on fera le décompte complet lorsque Pascal Campé et Florent Pibou arriveront. On n'a pas fini, on va jouer les prolongations sur le direct, je vous le dis tout de suite, on va rester jusqu'au bout. Et même si on doit faire une heure de plus, écoutez, restez avec nous une heure de plus. Oui, monsieur le maire. Juste pour compléter, donc là c'est le complément.
On a donné déjà un acompte donc de 255 euros, c'est juste que vous ne le comptabilisez pas deux fois. Oui, 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 tout à fait. Et puis, je profite juste d'avoir le micro, juste parce que j'ai oublié de remercier Isabelle, parce qu'on avait, une personne qui jouait de l'accordéon et qui chantait donc, de 13h30 jusqu'à 16h. Et puis aussi, je crois que mon collègue Angèle, tout à l'heure, a oublié de remercier... le correspondant Midi Libre. Oui, mais c'est prévu, hein, c'est prévu. Bon, on va même l'accueillir après. On remercie Jacques pour. Oui, oui, on va l'accueillir. Il est prévu qu'il vienne aussi parce que il s'est mobilisé. Si j'ai oublié de remercier quelqu'un, mais désolé, c'est que. Oui, mais t'es tellement de monde à participer. Et c'est bien, soyons légion, tous mousquetaires de Lilou aujourd'hui. Et là, je vous garde avec moi. Voilà, Lucie. Bonjour, merci d'avoir accepté de venir. Alors, je sais que pour Lucie, c'est une première de prendre le micro. Alors, tout va bien se passer. En toute convivialité, Lucie, secrétaire de l'association Les Mousquetaires de Lilou, la création de cette association, c'est à la fois pour Lilou, pour lui permettre les traitements, continuer les traitements, la cagnotte, pensez-y, et continuer à appeler plein de monde. Il faut faire monter cette cagnotte, mais c'est aussi pour toutes les triplettes. Oui, cette association, elle a été créée autour de l'histoire de Lilou. Donc, je remercie évidemment toutes les personnes qui se sont mobilisées jusqu'à présent, que ce soit des particuliers, des entreprises, les mairies, les journalistes, vous. Enfin, voilà, il y a énormément de personnes qui se sont mobilisées. Et c'est extraordinaire de pouvoir voir, de pouvoir assister à ça, que tout le monde se tienne la main pour une même cause. Et en espérant que Lilou, bientôt, dans les mois qui suivent, n'ait plus besoin d'autant d'argent pour pouvoir accéder à ses soins. L'association a d'autres buts aussi. Elle a d'autres projets qui sont certains qui ont été mis en place, mais il y a d'autres très beaux projets qui vont venir. On peut donner quelques exemples de projets sans vouloir dévoiler des secrets. Peut-être non, c'est pas devoir dévoiler des secrets, c'est... C'est plus que, voilà, on préfère quand même parler des choses qui sont faites et pas des choses qui vont être faites. Mais voilà, il y a beaucoup de soutien autour des triplettes qui ont commencé, que ce soit du soutien psychologique, du soutien matériel. Puisqu'il faut savoir aussi que quand on a un cancer, on est en ALD, donc on est pris en charge à 100% pour ce qui concerne les soins, pour ce qui concerne les transports, mais il y a plein de frais annexes en fait. Donc tout à l'heure, Lilou a parlé, par exemple, des sacs à redon. C'est bête, mais c'est des frais en plus. C'est toujours des frais en plus. Et si on peut, en collaboration avec les triplettes et les personnes malades, pas forcément que les triplettes, pouvoir en collaboration avec elles leur proposer du matériel beaucoup moins cher et sur mesure en fait, parce qu'on travaille avec des entreprises, on a des partenaires qui sont exceptionnels et qui sont aussi en contact avec ces filles-là et qui peuvent leur proposer quelque chose qui est sur mesure et adapté à leurs besoins. Voilà. Comment on peut contacter l'association et comment on peut accéder au-delà de l'émission d'aujourd'hui, donner peut-être le contact de la cagnotte et puis ensuite des contacts, une page Facebook, quelque chose? Oui, alors la page Facebook, c'est Les Mousquetaires de Lilou. Et dessus, vous avez le numéro de téléphone, le mail par lesquels vous pouvez nous joindre. Il y a aussi sur cette page la cagnotte de l'association. Il y a la cagnotte personnelle de Lilou, pour ceux qui veulent donner directement à Lilou, sans passer par l'association. Voilà. Et peut-être en profiter, si éventuellement vous voulez, dans les jours qui viennent, parce que ce combat va durer, vous l'avez bien compris, que ce soit pour Lilou, mais aussi pour toutes les personnes impactées, au travers de l'association Les Mousquetaires de Lilou, vous voulez organiser quelque chose, une manifestation, une journée, dans les possibilités actuelles pour cause de Covid, mais espérons que plus on va avancer, plus on pourra organiser des choses. Je ne sais pas, un concert, un concours de pétanque, ce qui vous passera par la tête. Et puis bah, peut-être faire don de cette manifestation aux Mousquetaires de Lilou. Vous le savez, vous avez vu, Lucie est là. C'est elle qui chapeaute et gère tout ça et qui accompagne aussi Lilou. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, toute la difficulté, ce sont tous les frais engagés à tous les niveaux. Et on a besoin de vous. Les coureurs sont là. Les coureurs sont là, très bien. Lucie, merci beaucoup d'être venue. On va enchaîner parce que les coureurs sont arrivés, on va en savoir un petit peu plus. Madame le maire, merci beaucoup et encore une fois, merci à Congénie d'avoir répondu présent. Merci à tous les habitants, les commerçants. Monsieur le maire,
Merci d'être venu dans les studios. Merci pour cette magnifique nouvelle. Merci à tous les citoyens, habitants de Mus et puis aux commerçants, à toutes les personnes qui ont contribué. Et on peut le voir, effectivement, nous comptons beaucoup de mousquetaires dans notre belle région du Gard. Pour récupérer mon avec attention la suite de cette opération, bien évidemment. Merci beaucoup. Je voudrais pas repartir quand même avec. Je vais récupérer tout ça. Je vous remercie et vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans les studios d'HWM TV. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Je vais poser ceci ici. Lucie, merci. On se revoit à la fin de l'émission. Hein, on reste dans les parages. Nous allons remercier notre parrain qui doit malheureusement nous quitter. Ah, notre parrain Rikoun qui doit nous quitter. Hop. Voilà. On va merci en tout cas Rikoun d'être venu. Merci pour les loups. Un grand merci. Voilà. Et les glamifiques également qui doivent nous quitter. Et oui, merci à eux, merci d'être venus. Et on va en profiter pour faire entrer nos marathoniens. Où sont nos marathoniens? Pascal Campé et Florent Pibou. Hop. On va ranger, hein, on est en live, et puis on range tranquillement en attendant que nos marathoniens arrivent. Oui, je comprends, bah, des obligations, c'est normal. Alors on aura le plaisir de vous accueillir à nouveau, et puis je vais relancer cette idée pour Rikoun, pour vous, du haut glamifique. Peut-être organiser une émission spéciale sur la musique, le spectacle. Bien sûr, nous parlerons de cette crise que nous traversons dans l'univers du spectacle depuis maintenant plus d'un an et demi, en espérant bien sûr que d'ici là, les choses vont s'arranger. Je vais en profiter, si tu permets, Cyril, pour passer, pendant que vous pliez le matériel, pour passer le très court message, il dure 18 secondes. Oui. C'est le message de Kev Adams pour Lilou. Allez, le message de Kev Adams et ensuite nos coureurs. Salut les amis, c'est Kev Adams. Ce petit message tout simplement pour vous dire de donner pour la cagnotte, pour aider Lilou. Lilou, on est tous de tout cœur avec toi. Je voulais t'envoyer plein de force, plein de bisous, plein de courage. Je suis sûr que tu vas sortir toute cette épreuve encore plus forte que tu ne l'es déjà. Donner pour la cagnotte, pour aider Lilou. Je compte sur vous. À bientôt. Voilà, nous sommes de nouveau à l'antenne. Cyril est en train de plier du câble. Et nous allons recevoir donc Florent. Ils arrivent, ils sont là. Et Pascal Campé, accompagné de leur compagnon cycliste, Jean-Pierre Zapata, Romain Auster et Olivier Pansanel. Je vous trouve sur Facebook. Voilà. 32. Avancez-vous là-bas. Romain et Olive. Romain, Olivier. Ils viennent d'arriver dans les studios et nous sommes en live. La rencontre avec Rikoun. Vous vivez cet instant comme nous. Et nous allons pouvoir faire le point sur cette course de l'espoir qui s'est déroulée tout au long de la journée. Un peu de silence, s'il vous plaît. Allez, on y va. Pascal, je vais vous demander, parce qu'on est obligé de faire assez vite, s'il vous plaît. Ouais. Hop. Voilà. Voilà, si tu t'éclipses, c'est bon. Alors, en direct dans les studios d'HWM TV, et nous sommes encore ensemble. On va dépasser un petit peu l'heure à partie parce que nous avons encore plein de personnes qui ont répondu présent, les longs du cœur. S'il vous plaît, du silence. Venez, voilà. S'il vous plaît, je vous invite à vous asseoir parce que vous le méritez. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On a tout prévu, on désinfecte après. Protocole sanitaire oblige. Ça fait du bien de s'asseoir un peu. Monsieur le maire a insisté. Hop, tenez. On aurait presque pu continuer tellement on était bien. Puis franchement, on avait des suiveurs en vélo, c'est des potes. Il faut que tu vois avec la société. Ouais, on a blagué tout le long, on n'a pas vu le temps passer, on s'est régalé. Donc, on vient de croiser Lilou, Rikoun, on merci. Féliciter, remercier. À la limite, merci, Rikoun, c'est merci. Nous qu'on nous la remercions pour la belle journée qu'on a passée. Merci à vous. Honnêtement, on n'avait pas mieux à faire aujourd'hui que de courir pour elle. Et puis, vraiment du régal, un super temps. Où elle est, Lucie? Voilà, une belle journée d'amitié avec les collègues. Et on s'est, une fois de plus, on n'a pas souffert, on s'est régalé. Recome with me. Une fois de plus, l'élan du cœur. Oui, il a tout là-dedans, c'est la secrétaire de l'association. C'était Alain qui a mis tout ça en branle, il faut le dire,
encore en 15 jours, 3 semaines. Et ben, y a un petit proverbe que je voulais sortir parce que j'aime bien. C'est un proverbe africain. Et ça dit quand les araignées s'unissent, elles attachent le lion. Et bon, je pense que c'est un peu la philosophie de la journée, quoi. Chacun y met du sien et on arrive. Ben, voilà, on ne sait pas, hein, on n'a pas compté. Vous le ferez pour nous, mais on a été quand même pas trop mal accueillis dans les villages. Les gens ont joué le jeu, notamment Mus, là, qui sont encore là. Ils nous ont fait un accueil royal. Et franchement, ça fait du bien de voir que ben, les gens ils se bougent un peu pour les bonnes causes. Pour les bonnes causes, tout à fait. Et puis, par les temps qui courent, encore une fois, comme je le dis, puisque depuis un an et demi, c'est un petit peu compliqué, les liens sociaux, on se perd tous un petit peu. Et là, aujourd'hui, on a senti, vraiment, c'est le cœur qui a parlé. Oui, le cœur qui a parlé. Et puis, ben, on peut dire les grands mots, mais c'est l'humain, quoi. À un moment, voilà. Oui. Hein, on est des hommes, des femmes, on peut s'aider, s'entraider, on est... Personne n'est à l'abri dans la vie, on a tous besoin d'aide. Et bon, ben, dans les petits villages comme Aubé, où moi j'habite depuis 40 ans, je sais qu'il y a une solidarité, quand il y a un coup dur, les gens quand même se mobilisent. Et bon, ben, c'est super, c'est ce qui fait que. Ah, ils sont là, j'ai retrouvé. Les mecs sont partis avec le pognon. Ah, les mecs, ils trompent de bord avec le pognon. Hein, puis nous tous, les mecs, ils sont là. Excusez-moi, c'était. Allez-y, c'est bon. On les a retrouvés, la police arrive. Occupez-les. Hein. Je vous disais, beaucoup de surprises aujourd'hui. Et effectivement, c'était Bastien Seigneuré. Bastien Seigneuré que nous allons accueillir juste après. Florent. Un petit mot, une impression, comment tu l'as vécu cette journée? Moi je l'ai vécu, j'étais persuadé qu'avec les personnes qui se sont investies pour cette journée, ça allait être réussi de toutes les façons. En plus on a eu un temps magnifique, donc je pense que ça aussi c'est un signe. Quand mon ami de 30 ans, maintenant Pascal, m'a proposé de l'accompagner sur cette belle aventure, j'ai pas hésité une seconde. On fait beaucoup, beaucoup de kilomètres tous les deux dans l'année. Pour nous, parce que bon, ben, c'est vrai qu'il faut le dire aussi, un peu en égoïste et au détriment de certaines choses des fois. Donc là, quand ça s'y prêtait et il fallait le faire de toutes les façons. On n'a même pas réfléchi deux minutes. Et comme je disais, ben j'espère que la prochaine fois qu'on se retrouvera ici, ce sera pour fêter, grâce à ces petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières, ce sera pour fêter la guérison de Lilou. Et là, ben on fera peut-être un peu moins de kilomètres, mais on restera peut-être un peu plus attablé au bar pour fêter ça, j'espère. Je le souhaite de tout cœur en tous les cas. On le souhaite tous de tout cœur. Et un grand, grand merci, Pascal. Florent, un grand, grand merci pour un immense plaisir. Voilà le don que vous avez fait aujourd'hui de courir pour l'espoir pour Lilou. Vous avez récolté des fonds partout. On va prendre tout ça, on va comptabiliser tout ça. Ouais. Hein, on va poser tout ça là-bas sur la table. Je vais vous laisser aller vous rafraîchir si vous voulez manger quelque chose, boire quelque chose. Surtout n'hésitez pas. Et puis plutôt boire. Voilà, oui. Bah écoutez, il y a aucun souci. Un grand, 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 grand merci. C'est vrai que Alain qui a organisé ça et à toutes les municipalités qui se sont mobilisées. C'est vrai que c'était vraiment un réel plaisir. Une belle journée. Une très, très, très belle journée. Merci à vous, messieurs. Je vous libère. Allez. Et puis, comme j'ai dit à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, vous revenez quand vous voulez dans les studios d'HWNTV. Voilà, nous avons... Vous pouvez... Merci, merci, un grand bravo à ces deux coureurs. 32 kilomètres de périple sur 9 communes. Merci, Pascal. Merci, Florent. Merci Romain, merci Jean-Pierre et merci Olivier qui nous a servi de correspondant, qui nous a servi de correspondant HWM. Donc Olivier, si tu m'entends, merci. Je vais demander à Valérie, notre marraine, si et oui, parce que le parrain est parti. Venir me rejoindre, Valérie. Nous avons un autre parrain, mais c'est pas le même. C'est... Oui, il n'y a pas de souci, Valérie. Nous sommes en live dans les studios d'HWMTV pour cette grande journée. On va pousser ça. Voilà. Tu vas être bien, Valérie. Tu vas être très bien. Ouais, c'est cool, le porte-téléphone n'a plus que toi. Hein. Voilà. Ben écoute, juste après, quand on a fini, j'arrive. Il n'y a pas de souci. Je fais à manger et le repassage aussi. Le temps de récupérer le micro qui se trouve quelque part par là. Ah oui, il est posé là-bas. Voilà, c'est ça. Hop, on va récupérer ce micro. Je vais vérifier que ce soit bien le bon, Valérie. Et on va te retrouver en chanson. Toujours 132. C'est toujours 132. C'est bien celui-là. Voilà.
Donc Valérie, oui. La marraine de cette belle journée, on joue les prolongations et on vous donne la possibilité encore. Allez-y, la cagnotte, il faut que ça monte. C'est impératif, c'est pour Lilou, l'association Les Mousquetaires. Nous sommes tous mousquetaires de Lilou aujourd'hui. Je vous reparlerai du maillot et nous accueillerons juste après Valérie qui va chanter pour vous. Et là, je pense qu'il va y avoir plein de souvenirs pour plein de monde. Et c'est un réel plaisir que de t'accueillir. Et merci d'avoir répondu. Après, bon, là, je suis venue pour chanter, mais c'est vrai qu'on est quand même venu pour récolter des sous. C'est ça. Il faut. Nous, vous nous aimez bien, mais c'est pas grave. C'est pas important, nous. Nous, on est en bonne santé, tout va bien. Oui. C'est pas pour nous, les sous. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment des sous. Beaucoup d'argent, c'est pas normal. Alors, je pousse un coup de gueule qui peut-être sert à rien. Vas-y. Mais c'est pas normal qu'on soit obligé d'organiser des trucs comme ça pour récupérer de l'argent alors qu'on est en France et que quand des gens viennent d'un autre pays, ce qui est magnifique, parce qu'on est un pays où on aide les gens. Les gens viennent de n'importe quel pays, ils se font soigner gratuitement, ce qui est normal. Qu'on soigne les gens qui viennent de l'étranger, c'est magnifique, mais il faut aussi soigner les gens qui sont en France. Tout c'est pas fait. Normal qu'on soit obligé de faire un truc comme tout ça. Tout à fait. Enfin, je sais pas. Oui. C'est pas histoire. Je dis pas ça pour me faire applaudir. C'est pas normal. C'est ce qu'on disait avec Monsieur Maisonnet, le député du Gard. Et je sais qu'il va faire remonter. Hein. Il va faire remonter l'information et il va s'adresser directement au ministre pour faire en sorte qu'on ne soit plus obligé d'aller il faut en Allemagne. Qu'il se dépêche, parce qu'il y a plein de gens qui sont malades. Je sais qu'il va le faire. On en a reparlé tout à l'heure dehors. Oui, tout à fait. Mais tu as raison. Tu as raison, il faut faire bouger les lignes, c'est important. On va te retrouver en chanson. Valérie Barouille en live dans les studios d'HWM. Allez, on va faire un TV. Truc plus rigolo. Hop, juste le temps. Voilà, alors, je ne sais pas si les gens se souviennent d'un dessin animé. C'était mon tube. Jeanne et Serge. Qui passait sur la 5 dans les années 80. Ça devait être en 87, 88, un truc comme ça, 85. Il y a longtemps. Et ça, c'était mon tube. Enfin, mon tube. C'était ça. Vous vous souvenez de ça ? Avec talent et son cœur effondissant, le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là, dans les yeux de Serge, 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 Jeanne et Serge, coup de foudre, mage de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre, mage de volleyball. Jeanne et Serge, amour d'un premier regard. La vie pour Jeanne et Serge, c'est amour et bonheur. La vie pour Jeanne et Serge. Serge est un champion déjà, et Jeanne est en réserve. Mais elle sait qu'un jour, ça ira championne. Jeanne devra bien s'entraîner pour être championne. Elle sera la plus calée. Tous regardent Jeanne, 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 Jeanne et Serge. Coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. La vie pour Jeanne et Serge, c'est amour et bonheur. La vie pour Jeanne et Serge, c'est amour et bonheur. La vie pour Jeanne et Serge, oui. Jeanne et Serge, coup de foudre, mage de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre, mage de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier. C'est une grande chanson quand même. J'ai même vu des garçons qui chantent.
Alors c'est quoi ça? Ah oui, ça c'était Crimi, vous vous souvenez de celui-là? Mais ça c'était pour les filles. Hein. Bon, cela dit, j'en connais qui les regardaient quand même. Tu es une petite fille qui travaille en famille, mais son secret d'espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie, un éclat et c'est tout, et Crimi va chanter pour vous. Pampulilu, pouvoir magique, Pampulilu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie, je vais changer toute votre vie. Pampulilu, du haut du ciel, Pampulilu, l'étoile veille. Mes deux amis, Simon et Sissi, sont mes compagnons de folie. Merci à toi. C'est rock. C'est rock and roll. Lilou, si tu apprends, tu m'en... Chantal, c'est ma rivale, et j'aurais bien du mal, car il y a des surprises dans le monde du showbiz. Jingle et Lahuri travaillent jour et nuit, ils ont confiance en moi, et j'ai la chance au bout des doigts. Pampulilu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie, je vais changer toute votre vie. Pampulilu, du haut du ciel, Pampulilu, l'étoile veille. Mes deux amis, Sinon et Sissi, sont mes compagnons de folie. Pampulilu, pouvoir magique, Pampulilu, c'est fantastique. Papa, maman, bouge tout Charlie, je vais changer toute votre vie. Pampulilu, du haut du ciel, Pampulilu, l'étoile veille. Mes deux amis, Sinon et Sissi, sont mes compagnons de folie. Et voilà. Valérie Barouille en live. Oh, merci beaucoup. Encore Valérie. Oh, non, non. Ah bon. J'ai déjà entendu ça. Encore. À moins que vous merci Valérie, merci moi. Valérie. Valérie, la marraine de cette journée d'exception, placée sous le signe du bien-être, de l'humour, de l'envie aussi de se battre, de donner. Voilà, il faut que vous puissiez encore dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir, aider l'association Les Mousquetaires de Lilou. Nous sommes tous mousquetaires et tu es une mousquetaire de cœur, Valérie. Je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie. C'est un plaisir pour moi. Bravo. En plus, j'ai rencontré Lilou que je ne connaissais pas. Donc, elle est... Elle a la niaque. Ben, on va l'accueillir. Ouais. Je te remercie encore. On te retrouve tout à l'heure. Allez, oui. Je vais le récupérer. On va procéder à la désinfection. Et je vais, sans plus tarder, puisque les autres micros sont déjà prêts, mettre deux fauteuils comme ceci. Et je vous parlais d'humeur, je vous parlais d'humour. Nous avons deux personnes qui ont répondu présentes. Elles sont arrivées, elles sont là. C'est un plaisir de les accueillir dans les studios d'HWMTV. Ils se prénomment Samuel Hebb et Samuel, viens. Je vais appeler que Samuel tout de suite. Je vais appeler que Samuel. Samuel, viens. Viens avec moi. Samuel, je te demandais de t'asseoir ici. Voilà, et on a une petite surprise parce que il a répondu présent, mais c'est Samuel qui l'a fait venir. Il lui a dit, ouais, il se passe un truc, tout ça, tu peux venir. Et comme c'est un humoriste au grand cœur, il a répondu présent. On va vous le présenter dans quelques petites secondes en direct dans les studios d'HWMTV. Samuel, bonjour. Je te donne celui-ci, il est désinfecté. Je prépare l'autre. Samuel, comment vas-tu ? Très, très bien. Très, très bien. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, parmi les téléspectateurs, téléspectatrices d'HWMTV, on s'est rencontrés à la Scala, à Marcillargues, et c'est toi qui gères tout ce qui est spectacle là-bas. C'est ça. C'est donc, bien ça. C'est ça, la programmation du théâtre. La programmation, et tu nous avais accueillis. Mais, il y a des personnes qui doivent se dire, je l'ai déjà vu quelque part. Bah oui, forcément, parce qu'on t'a vu à la télévision.
Et oui, on t'a vu à la télé. Et tu. Fallait pas le dire. Il fallait pas le dire. Bah, c'est trop tard, tu vois. Maintenant, c'est fait, c'est dit. C'est où, c'est quoi? Dis-nous. Alors, ça a commencé par Wild. Wild, il y a 3 ans. Jeu d'aventure sur M6. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Où on a pu faire le tour du monde en 3 mois. Belle aventure. Voilà. Très, très, très. Je crois que c'est l'aventure d'une vie. Après, on a enchaîné, je crois, avec différents films. Dernièrement, Demain nous appartient. Oui, la série. Voilà. Où tu joues un personnage complètement opposé à ce que tu avais fait avant, me semble-t-il. Très, très, très gentil. C'est ça, très, très gentil. Très. D'ailleurs, il était en prison. Donc, Parce qu'il a été trop gentil. Trop gentil, c'est ça. C'est ça. Et donc, tu nous avais accueillis et puis tu fais partie des premiers mousquetaires de l'Ibou. Il y a beaucoup d'innocents en prison. Est-ce que tu peux nous rappeler juste rapidement, puisqu'on avait fait ce reportage à la Scala, là où tu nous avais accueillis, tu peux nous rappeler rapidement comment tu as rencontré Lilou et quel a été pour toi le moteur de dire « Allez, on va faire des choses ». Alors, c'est un coup de téléphone d'un ami à moi donc, qui s'occupe de Viva Fitness donc, à Lunel, donc Égide Philippi, qui m'a appelé et qui m'a dit bah, « Écoute, voilà, on aurait besoin d'un coup de main pour une jeune sportive qui est là et qui est très malade. » Donc, il m'a expliqué un petit peu le cas de Lilou. Je ne la connaissais pas, effectivement. Et il m'a parlé. On a parlé pendant une demi-heure au téléphone. Et je réfléchissais. Je me suis dit « Je ne sais pas comment t'aider, à part participer à la cagnotte. » Je ne savais pas comment faire. Et j'ai réfléchi, je lui ai dit, laisse-moi une heure. Et au bout d'une heure, en fait, je suis rentré, j'ai été chercher mes filles à l'école. Je me suis mis sur le parking devant l'école. Et j'ai fait un live où j'ai appelé au don. Donc, tout est parti de là, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à 700 000 vues, je crois, sur cette vidéo. Et j'ai appelé tous mes amis. Enfin, j'en ai profité, en fait, le fait de connaître beaucoup de monde. J'ai appelé tous mes amis artistes, dont Anthony, dont Jérémy Banster, Jean-Marie Bigard, et j'en passe, je crois qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je leur ai à tous demandé un coup de main en leur disant aidez-moi à l'aider. Et aujourd'hui, je vois ce qui se passe et je vois tout ça, en fait, c'est devenu exponentiel, ça ne s'arrête pas, ça va de partout. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, je crois que ça s'est passé en moins de 10 jours. Donc je me rappelle, la cagnotte était un peu plus de 6 000 euros et en 10 jours, on a récolté 120 000 euros. Ça, c'était pour la première cagnotte qui lui a permis d'accéder au traitement en Allemagne. C'est ça. Et aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter. Au contraire, il faut accélérer parce qu'il manque encore. Il faut qu'elle continue. Elle n'en est... C'est pas fini. Donc, oui. Voilà, je fais un peu moins de choses sur le net parce qu'en fait, j'ai aussi une vie à côté. Ah ben, forcément. Mais je fais énormément de choses à côté et je mobilise encore autant de monde. Donc, il y a encore des belles surprises qui arrivent. Et qu'on ne peut pas encore annoncer tout de suite. Tu sais que moi, je suis un homme plein de surprises. On gardera le secret. Voilà. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'en fait, j'ai appelé mon pote, mon ami, de très, très, très longtemps, Anthony. Il est là-bas, on va l'accueillir. Voilà, je vais lui demander de venir nous rejoindre. Voilà. Et il est venu d'ailleurs avec un autre aussi artiste avec lui. Ah, il y a encore une surprise. C'est lui qui t'a fait la surprise cette fois-ci. Donc, Anthony Joubert, bonjour. Bonjour, elle fait comme ça. Hop, voilà. Ceci. Est-ce qu'il faudra un troisième micro? Non. Non. Lui, je vais récupérer ça et puis on va câbler. Allez, je m'occupe de câbler. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Joubert et il a répondu présent parce que c'est aussi un mousquetaire de cœur. C'est le premier que j'ai appelé. C'est le premier qui a été appelé. Le tout premier. Très bien. Et il a répondu tout de suite. Il a dit. Non, il a galéré. C'est le dernier arrivé, cela dit. C'est ça. Non, il a répondu de suite. Il m'a dit, alors, je te fais ça. Anthony, moi, je suis parti à la pêche. Alors, je regardais à l'époque des émissions de télé. Et tu es issu d'une émission de télé très connue aussi. C'est ce qui t'a... Tous en cuisine, oui. C'est ce qui t'a permis. Alors, par contre, j'ai pas relevé l'année, la date. 2008. Et c'était sur... Sur M6, Incroyable Talent. Incroyable Talent, c'est ça. Et on a eu le plaisir, après, de te voir co-présenter aussi la deuxième l'émission, partie de l'émission. En compagnie de Jérôme Anthony. C'est ça, tout à fait. Après, j'ai enchaîné chez Morandini, et puis On ne demande qu'à en rire, et puis... Tout s'est enchaîné. Quoi. Et tout là, il a ouvert un kebab. Et là, maintenant, d'accord. Et ça marche pas bien. Vente à emporter, mais ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent, d'être venu pour Lilou aujourd'hui. Bah avec plaisir. C'est la première fois que je tourne dans un four à pizza. Quoi. C'est sympathique. Non, mais c'est très familial. Il y a un côté, en plus,
Jeanne et Serge, quoi. Ah, Jeanne et Serge, Valérie Barouille. Surprise. Je n'avais jamais rencontré Valérie. Eh oui. Je ne l'ai toujours pas rencontrée, mais alors qu'il y a souvenir qui est arrivé sur moi. Et tu ne la rencontreras pas puisqu'elle vient de partir. Elle vient de partir. De toute façon, elle est passée pas, de toute façon. Tu ne pourras pas. Non, mais elle voulait rentrer avant le couvre-feu, c'est pour ça. C'est vrai. Merde. Elle habite pas à côté, elle habite à côté de Ganges. Ben, ah, juste à côté du terrain de volleyball. Exactement. Impeccable. Là où est Jeanne et Serge. C'est ça. D'ailleurs, c'est vrai que dans Jeanne et Serge, on l'a jamais vu. Ça, on le voit deux minutes dans le dessin animé. Vous ne l'avez pas vu, hein, Jeanne et Serge. Si. Mais c'est vrai, tu le vois deux secondes et tu ne le vois plus de toutes les saisons. On a le souvenir de ça, et c'est vrai que de l'entendre chanter, c'est... Hein, ça, oui, ça, ah, ça, oui, ça fait quelque chose. Et après, ils ont fait des disques, Jeanne et Serge Gainsbourg. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas de micro. D'accord, hein. je comprends maintenant. Mais j'ai branché la guitare. C'est bien dommage, cette histoire. Je vais vous demander alors un petit peu votre actualité, ton actualité, toi, au niveau tournage, série, qu'est-ce qui se passe, film en perspective. Oui. Alors, un film qui a été décalé... pour cause de Covid. Voilà, trois fois. Donc là, je sais qu'on a une nouvelle date qui se tourne à partir du 26 mai. D'ailleurs, on tourne aussi sur Martiargues. D'accord. Voilà, donc je serai avec Moussa Mascri, oui, et Jérémy Banster, donc sur une série. Ensuite, le long métrage à partir de, je crois, du 15 juin. Voilà. Auquel, ou en fait, là je vais vous le dire en direct live, où Anthony participera aussi sur un long métrage. Oui, t'es pas au courant. On discutera du cachet quand même. Oui, on en parlera. Je prends avec plaisir. Donc voilà, donc c'est les deux grosses actualités de l'année. Très bien. Et toi, Anthony, ton actualité? Alors, Facebook déjà. Voyez avec Castex. Prenez rendez-vous avec Castex, on va voir l'actualité. Non, toujours les. D'ailleurs, je félicite vraiment tous les artistes qui ont fait des vidéos tout le long du confinement, voilà, qui se sont pris d'une mission, comme les télés du web qui ont continué à marcher, à ne pas s'arrêter pour satisfaire les gens. Voilà, ça y est, voilà, c'est des gens qui ne peuvent pas voir le public, qui n'ont pas vu le jour depuis un an. Et on a continué, voilà, moi de mon côté, à faire des vidéos, à continuer à faire vivre la chose et à continuer à distraire les gens, parce que sinon ça serait vraiment morose. Et c'était, voilà, depuis un an, c'est vraiment une ambiance un peu de merde, pardon de le dire, mais voilà, qu'on arrive au bout et qu'on ait le sourire, voilà. Et donc, les vidéos sur le web, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et là, c'est en direct, là ? Ah oui, on est en live. Alors, à 19h sur YouTube, il y a le teaser du film Covid que vous allez pouvoir voir. C'est ma nouvelle vidéo qui sort à 19h. À 19h ce soir, une exclusivité, merci beaucoup. Je compte sur vous, hein. Likez, abonnez-vous, hein. On a besoin de gens, hein. On a besoin de gens. Moi, j'ai adoré, je vais juste apporter comme ça, j'ai adoré ce que tu as fait sur, je sais pas comment le dire, ce qui discrimine les autres quand on chante une chanson et que dedans il y a des paroles par rapport à ce qui s'est passé avec la chanson d'Annie Cordy. Tu as fait un truc superbe. Voilà, moi je me suis régalé, je l'ai partagé vraiment. Si vous ne l'avez pas entendu, allez-y. Le problème, chapeau. C'est que tout devient polémique. Oui. On fait un truc, d'un coup c'est une polémique. Si un jour tu dis à quelqu'un, ah, mais de toute façon c'est une blonde, ouais, qu'est-ce que vous avez contre les blondes, tout ça. Ça reste de l'humour, il faut quand même se détendre un peu, quoi. Oui. Ah, il y a plein de blondes. Ouais. Ça y est, elles sont énervées, ça y est. Voilà, ça alors, y est. Alors, pour pouvoir se détendre. Alors, pardon. On a une enchère pour en le plus, maillot. On voit bien que vous êtes des fausses blondes, on voit les cheveux blancs quand même. C'est pas, Anthony, s'il te plaît, on a une enchère pour le maillot. Donc à 140 euros dans le studio ici même. 140 euros dans le studio pour le maillot d'Anthony Briançon, le capitaine. Pour mon Bruno, c'est Bruno. Ouais, et c'est Bruno qui a lancé. Voilà. Très bien, félicitations à Bruno. Ouais. Donc il faut continuer, hein, cette enchère. Le capitaine nous l'a offert. C'est le Nîmes Olympique, c'est le maillot officiel, il est dédicacé. Faites monter les enchères. C'est pour une bonne cause, c'est pour Lilou et c'est pour l'association Les Mousquetaires de Lilou. On va poursuivre. On a essayé de vendre celui de Valère Germain, on a récolté 15 euros. Donc, ça coûte un peu plus, on galère. Donc, Briançon, c'est bien. N'hésitez pas. On a le guitariste qui est là et je vais demander à Samuel, on va libérer le fauteuil, comme ça, on va pouvoir mettre monsieur le guitariste. J'ai pas le prénom. Moi non plus. Ah bah, très bien. Alors, c'est parfait. Il s'appelle David Jouteur. Mais voilà. Alors, du coup, c'est vrai qu'on est venu avec la guitare. Qu'est-ce Samuel, tu reviendras après. C'est Samuel qui est fabuleux parce que c'est quand même lui qui a tout fait, puis figurez-vous que derrière, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas ce que vous voyez, il y a aussi le derrière, il nous informe de la santé de Lilou, tout ce qui se passe, et voilà, c'est un homme de cœur, et c'est pour ça que voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être ici, en direct avec vous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mon Sam? Non, il ne faut pas me dire ça. Parce qu'on peut faire... Vraiment, on ne sait vraiment pas quoi faire.
La Sim Camille, tu veux. Du Anthony Joubert. Du Anthony Joubert, qu'est-ce qu'on leur donne? Sans sol. Sans sol. Ah ben, il a parlé d'M6, donc on peut faire. Parce qu'on va pas. Parce qu'au départ, on voulait faire, tu sais, toutes les mamans Tunker, tu sais, qui est. D'ailleurs, allez la voir sur internet, mais elle est un peu triste, je trouve, quand même, pour cette occasion. On est là pour donner de la joie, de la bonne humeur. Alors, vous savez, messieurs, dames, que toutes les chansons qu'on fait, c'est toujours une histoire. C'est vrai que c'est toujours une histoire. Hein. D'ailleurs, même Mike Brandt, il a écrit « C'est comme ça que je t'aime ». Pof, il a sauté par la fenêtre. En bas, il y avait Cabrel qui a fait « Oh, quelque chose vient de tomber ». C'est de là qu'il a écrit la chose, du coup. Voilà. Non, mais oui, ça va, sois pas choqué non plus. Hein. Alors, parce que si on va, on peut faire des chansons aussi pour les enfants, par exemple. Regarde. Quand un enfant est sage, on lui offre un ballon. Quand il est pas sage, on le crève. Et le ballon aussi. Voilà. On peut aussi, messieurs, dames, aussi, si vous voulez nous voir sur des vidéos, pour les grands-parents aussi, oui, pour les personnes âgées aussi. Par exemple, ma grand-mère rêvait d'aller en boîte, et ben voilà. On fait aussi pour les adolescents aussi, si ça vous dit, on peut faire aussi une histoire vraie. Hein. Un jeune de 13 ans a poignardé ses parents après avoir vu un film d'horreur. Il aurait pas dû, mais heureusement qu'il avait pas vu un film de cul. Voilà. C'est toujours très important de le dire. On a une chanson pour Sam aussi. Oui. Sam qui est agriculteur, ça fait une vache pour vivre a besoin d'herbe. Eh ben lui aussi. Voilà. Je donnerai son adresse parce qu'il vit à Dubaï là maintenant. Apparemment, il a eu un prix sur une maison apparemment. Et je n'hésitais pas à le voir parce que rien n'est déclaré. Alors oui, on va quand même faire une petite chanson d'amour quand même pour une jolie demoiselle qui est derrière là. On y va. C'est pour toi là. Toi. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. Ça a été un grand bonheur, et ça rentrait comme dans une histoire. Histoire d'amour qui glisse, qui ripe. Toi, amoureuse, me ferais une bonne chanson. C'est fort comme la pluie qui mouille. Allez, attrape-moi les mains. Avec toi, le temps recule. Si je t'attrape, je te garde. Enfui au fond de ma couchette. Et de te prendre en voiture. Bon, ça marche pas. Bien, on fait une deuxième fois. Mais comme t'avais pas l'air emballé, je rentre chez moi pour me brancher. Mon abonnement à Netflix et me mater un film bien. C'était une histoire pas banale avec une fille qui aime l'aquarelle. Mais avant que ça débute, j'ai préféré faire un tour au bar. J'étais bourré comme un cochon. Je pensais à tes gros orteils. Du bout des doigts, je les chatouille. Tu fais pareil avec mes pieds. Na 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 na. Faut finir un truc d'ambiance, c'est ça? Un truc d'ambiance? Fait dessin animé? Non, parce qu'on a fait, on a reparodié les dessins animés en fait. Tu sais pas, on n'a pas beaucoup de temps en fait. Regarde. Tom Sawyer, c'est l'Amérique avant que Trump ne soit arrivé. Il court pieds nus avec un Mexicain sans abri. Aujourd'hui, il serait vite renvoyé chez lui. Voilà, il y a quoi encore? Il y a Bioman, ça vous dit Bioman? Ouais. Ah bien.
moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Bioman, Bioman et leur combi fluo. Comme sur un char à la Gay Pride, devant les méchants ils paradent. Bioman, Bioman, le plus gay gay des héros. Dragon Ball Z, 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 des fois ils pètent les plombs. Dragon Ball Z, 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 alors il devient blond. Dragon Ball Z, 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 en fait c'est des Suédois. Dragon Ball Z, 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 qu'en avait marre d'Ikea. Peut-être, peut-être. Ah oui. Booba, Booba, en fait c'est un rappeur. Arrêtez au bout d'un moment, hein. Vas-y. Il y a un terrain de foot au Japon où on voit pas le côté de l'autre horizon. Un peu jeune, il part, il a 17 ans, arrive au bout à 39, 39 ans. Il y a aussi des joueurs de ballon. Quand il frappe, le ballon n'est plus rond. Un gardien Barjot qui saute sur des poteaux. Olive et Tom, mais on voit jamais Tom. Tom Olivier, prénom bien japonais. Tom Olivier, 15 épisodes pour marquer. Y'en a, y'en a, y'en a. Y'a quoi derrière? Putain, on voulait mettre de l'ambiance et tu mérimes. Ouais, ouais. Le soir tu déprimes dans ton cœur des nuages. La télé diffuse un dessin animé ton âge. Dès que tu le verras, ça ira mieux ta vie. Car t'auras besoin de l'exomil aussi. Il est sans famille, il s'appelle Rémi. C'est un chkoumounard comme j'ai jamais vu de ma vie. Sa famille à lui, il les a tous détruits. Car ils meurent tous petit à petit. Oh, y'a Albator, Albator. En fait, c'est Ribéry. Ah, oui. Ken, c'est le mec de Barbie. Ken, parce qu'il lui a tout pris. Ken, il voit des filles jolies. Ken, on sait comment ça finit. Il a Ken. Si, si. Ah, on fait un truc alors plus pour les gens, tu vas voir, ça met de l'ambiance. Ils vont la connaître. Ah oui. Pinocchio. Regarde. Laquelle? Pinocchio. Pinocchio. Reste technicienne, toi. Ne commence pas à partir comme ça. Pinocchio. Tu vas voir si je te mens, ce que je vais te mettre dans les... Alors. Tu as vu, j'ai pas dit le nom. Regarde. Ah ouais, hein. Capitaine Flamme, on l'appelle aussi pyromane. Parce que tous les étés, il veut cramer toute la région PACA. Et même l'Amazonie. Et Rouen, je crois que c'est lui. Abonne-toi. Abonne-toi. Merci beaucoup. Merci, merci Anthony. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, merci à Guitariste sans nom, donc du coup, parce que David Jouter, allez le voir sur TikTok, c'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est c'est vraiment vraiment voilà, c'est quelqu'un qui est fabuleux, c'est un humoriste à lui tout seul et c'est un plaisir de l'avoir avec moi sur scène, on peut le voir dans les concerts pour cet été. Il a une répartie de fou et bon là il traverse une mauvaise passe mais voilà, ça ira mieux d'ici le mois de juillet. Un grand merci à vous deux. Merci. Alors à toi. Je vais vous demander juste de partir. Pour... Non, de partir encore. Pas encore, pas encore, pas encore. Pour conclure, voilà, votre venue. Un grand merci, l'élan du cœur d'avoir répondu présent, l'appel de Samuel. Un petit message à nos téléspectateurs, téléspectatrices, pour Lilou, pour les mousquetaires, parce que vous êtes aussi deux super mousquetaires. La cagnotte. Eh bien, moi, je vais vous dire un truc sincère, parce que là, on va enlever l'humour. On connaît tous une personne qui est atteinte d'une maladie, parce qu'en ce moment on parle beaucoup du Covid,
Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il y a beaucoup d'autres maladies. Et pourquoi j'ai dit oui, comme je l'ai expliqué à Lilou, moi-même, j'ai perdu ma maman de cette maladie. Et tout ce que je lui ai dit, j'aurais aimé le dire à ma maman. Il y a des gens qui sont malades. Soyez positifs. Allez de l'avant. Et moi, je suis fier de Samuel, de tout ce qu'il a fait, d'avoir pu donner énormément d'argent, de récolter. Voilà, si vous en avez un peu, soyez solidaires. C'est la dernière solidarité qui nous reste. Et voilà, grâce à des gens comme vous, comme tout le monde, merci du fond du cœur, parce que dans l'humour, il y a aussi le mot amour. Et si on ne fait pas ça, ben, on n'est pas vraiment des artistes. Voilà. Et moi, je suis persuadé qu'elle va s'en sortir grâce à vous et grâce à son mental. Elle a un mental d'acier, elle a un cœur en or. Donc, allez-y, vous avez juste à donner ce qu'on appelle des paillettes pour qu'elle aille encore plus haut. Bravo! Anthony Joubert, merci d'être venu dans les studios de HWMTV. Et comme j'ai dit à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui pour Lilou, pour l'association Les Mousquetaires de Lilou, vous revenez tous les deux quand vous voulez dans les studios d'HWMTV. Et ce sera avec un grand plaisir qu'on te recevra, qu'on vous recevra tous les deux. Avec plaisir. Bon, maintenant, on va à la Jonquera. Anthony Joubert dans les studios d'HWMTV, le plaisir de le recevoir. Maintenant, on va recevoir Monsieur Seigneuret. Je ne sais pas où tu es. Et oui, Bastien Seigneuret qui est là. Alors, c'est un grand plaisir aussi de le retrouver. Vous le connaissez par l'intermédiaire du Petit Théâtre de Nathalie. Il a énormément œuvré et il s'était absenté pendant quelques temps. Disons qu'il n'avait pas le choix, il était en prison. Donc. Mais je croyais qu'on en parlait pas. Il avait pris, quatre mois. Il a pris 4 mois. Bastien Seigneuret fait son grand retour. Bastien, viens, Bastien, viens. Viens. Viens t'asseoir là. Alors on va vérifier si le micro fonctionne bien. Oui, on t'entend, c'est impeccable. Je vais demander à Alain, si tu peux juste couper la réverbe. Hop, couper la réverbe. Juste là, voilà. Elle est mutée, la réverbe. Elle est mutée, c'est super. Alors, j'avais un petit peu de réverbe, c'est parfait. En tout cas, Bastien, c'est un plaisir. Bonjour. Bonsoir. Tu vas bien? Ouais, bon, ouais, bah oui, oui, tu as. Alors on est bien encore, on est bien. Puis on avait dit 17h30, mais oui. On se fait plaisir. Et puis c'est pour Lilou. On va demander au public, les quelques personnes. C'est pas un public, hein, on n'a pas le droit d'être en public. Il y a quelques personnes et la porte est ouverte. Et puis ça résonne, ça fait du bruit. Bastien, c'est un réel plaisir que de t'accueillir dans les studios d'HWMTV. Alors tu es venu faire une émission puisque tu as aussi une émission à Duc, hein, à Duc autour d'un café. Autour d'un café. Et d'ailleurs, je crois que tu vas accueillir qui prochainement? Alors le mois prochain. Surprise encore. Ah, c'est pas tout à fait. Non, mais j'ai entendu ou des choses. Un humoriste. Voilà, j'avais entendu. Il me semblait un humoriste, mais c'est pas confirmé. Pas tout à fait pour cause de Covid. Hein, c'est un petit peu compliqué de faire venir les gens. Alors, vous connaissez Bastien au travers des imitations, puisque tout a débuté pour toi d'abord dans ta chambre, je présume. Tout à fait. Tout à fait. D'abord dans la chambre de mes parents. Si on va vraiment loin, ça a démarré dans la chambre de mes parents. C'est là que tout a commencé. Et ensuite, tout a démarré dans une émission de TV aussi pour toi. Graine de star. On monte un peu. Ça remonte au millénaire dernier. Minimum. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais tu es bien conservé quand même. Oui, c'est vrai. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc, graine de star. Et puis ensuite. Les imitations, c'est là, c'est par cet intermédiaire qu'on t'a rencontré, qu'on t'a connu. C'est ça. Et la chanson aussi au travers des imitations. Oui, alors je suis avant tout imitateur. Je chante aussi pour imiter des chanteurs. Tout à fait. Je ne suis pas un chanteur à la base, contrairement à beaucoup d'imitateurs. Je suis venu au chant par l'imitation. Par l'imitation, voilà. Très bien. Et tu as répondu présent pour Lilou aujourd'hui, c'est obligatoire. Et je vais te proposer qu'on reparte en musique. En musique, voilà. Peut-être c'est Beko là qu'on a. Beko, ouais. Voilà. Beko. Le titre va vous parler. Alors comment Beko serait présenté par Jean-Pierre Foucault par exemple? Écoutez, c'est un plaisir de retrouver notre Gilbert Beko, national bien sûr, de le retrouver avec une chanson. Alors on aurait pu chanter beaucoup de chansons de notre ami Gilbert Beko, qui a écrit beaucoup de chansons très jolies, mais nous allons tout de suite demander à Bastien d'interpréter l'indifférence. Ah, je me suis dédoublé là, tu as vu? Oui, j'ai vu. C'était même plus moi, c'était... J'ai vu, mais vous êtes plusieurs dans ta tête. Oui, ça c'est clair. Ne change rien. Bastien, je te laisse la place. C'est parti avec un petit Beko. Allez, un petit Beko, l'indifférence.
Ne soyez pas indifférent, il est très très important de penser à la cagnotte, donc contribuez, n'hésitez pas, allez-y, donnez tout au long de cette fin de journée, de ce week-end, les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir. Lilou a besoin de vous et l'ensemble de l'association Les Mousquetaires de Lilou a besoin de vous, donc soyons tous encore un peu plus mousquetaires. Bastien Seigneuret, l'indifférence. Un béco pour vous tous et un plus gros béco encore pour Lilou. Les mauvais coups, les lâchetés, quel important ce. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. Elle a rompu et corrompu même l'enfance. Un homme marche, tombe, crève dans la rue. Eh bien, personne ne l'a vu, l'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups, l'indifférence. Tu es l'agneau, elle est le loup, l'indifférence. Un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. L'indifférence, chez toi tu n'es qu'un inconnu, l'indifférence. Tes enfants ne te parlent plus, l'indifférence. Tes vieux n'écoutent même plus quand tu leur comptes. Vous aimez et vous avez un liquidance. Mais elle vous guette et joue au chat, à la souris. Mon jour viendra, qu'elle se dit, l'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups, l'indifférence. Tu es l'agneau, elle est le loup, l'indifférence. Un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. L'indifférence, tu es cocu et tu t'en fous, l'indifférence. Elle fait ses petits dans la boue, l'indifférence. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus grand chose. L'indifférence, avant qu'on en soit tous crevés d'indifférence. J'aimerais la voir crucifiée, l'indifférence. Qu'elle serait belle et cartelée, l'indifférence. L'indifférence. Ah, c'était un peu la chanson du moment, hein, parce que tout à l'heure on a eu Valérie, hein, elle aurait pu dire c'est facile à cliquer, hein, ouais. Un petit clic, hop, tout ça, parce que c'est vrai que, hein, on enchaîne ou... Bah, Sébastien, j'aurais envie de te demander quelque chose.
Voilà, alors tu es un personnage multiple au travers de toutes tes voix. Et on était en train d'en parler dehors, là, avec Samuel qui a dû partir, Samuel Hebb. Je suis allé le saluer. Le temps pour moi de retrouver, voilà, il est là, Claude Nougaro. Allez, un petit Claude si Nougaro, Nouga York. C'est parti, on y va. Allez, en direct live. Je compte sur live. Vous, pour le peu de public qui a pu rentrer, je compte sur vous. En direct live dans les studios d'HWM. Et après, il y aura une surprise pour Lille. Ah oui, après, une surprise. Elle est là, elle attend et on la fera rentrer juste après. Allez, Bastien. Allez, c'est parti. Va voyager. Choc, un souffle barbare, un remous de rock. Quel aérocar, j'ai changé d'époque. Comment ça démarre sur les starting blocks? Oh. Gar, 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 là c'est du mastoc. C'est pas du Ronsard, c'est de la Merloc. Sera-ce la bagarre au Kishiadoc? J'aurai le gros cigare en or, les pare-chocs. Dès l'aérocar, j'ai senti le choc. Faut rentrer dardard dans la ligne de coque. Un nouveau départ, solide comme un roc. Une pluie de dollars, ici, nous gagnons. L'île aux superstars, j'suis gonflé à bloc. C'est l'enfance de l'art, c'est le pas la coque. Oh. À moins qu'un lascar, au détour d'un bloc, et son cri gare, me découple l'or, façon jambon d'ia. Voilà Malilou, et pour tous les autres, également. Un petit Nougaro, ça faisait longtemps que j'avais pas interprété. Un Nougaro. Merci beaucoup, Bastien. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Alors, tu vas rester avec nous parce qu'on a une petite surprise. Alors, je vais juste aller chercher Lilou, Lucie. Je vais demander à Lilou et à Lucie de bien vouloir venir. Je vais demander éventuellement à Anthony Joubert de venir aussi. Voilà, toutes les personnes qui sont encore présentes parce que couvre-feu oblige, beaucoup de personnes avaient de la route et donc ont dû repartir, nous quitter. On va clôturer tout doucement cette émission, mais nous avons une petite surprise pour Lilou. Alors donc, on va expliquer. Voilà, on va expliquer. Voilà, Lilou, on va demander Lucie éventuellement de t'asseoir là et puis on va demander Anthony, viens. Oui, et puis guitariste sans nom également. Voilà, comme ça, vous pouvez vous mettre là, un de chaque côté pour accompagner ces demoiselles. Voilà, on va se mettre un petit peu plus par là parce que sinon, voilà, dans le champ de la caméra. Comme ça. Très bien, je vous laisse toute la place. Comme vous voulez, vous organisez. Avec Bastien et toute l'équipe d'HWM TV, on va remercier. Non, on fera les remerciements après. On va passer à ce petit moment qui est un grand moment. Alors. Voilà, Alain Galtier, qui est le président de la Web TV, HWM TV Horizon, qui est aussi un musicien hors pair, compositeur, interprète, chanteur de talent, a eu à cœur, avec Sébastien, en collaboration, de créer un petit quelque chose.
c'est... de Bibi, mais c'est oui. l'œuvre d'Alain, l'écriture. C'est, voilà, voilà, c'est précisons. L'idée, c'est ce que j'allais dire, c'est l'idée voilà. de Bastien. Mais l'écriture, et c'est Alain. Et c'est l'écriture du texte que tu vas entendre maintenant, d'Alain, sur une musique de Pierre Perret, Lily. Ils l'ont reprise, ils l'ont retravaillée, et elle est pour toi, c'est peut-être pour clôturer un petit peu voilà, cette émission avec de la douceur, et puis tout ce qu'on pense de bien de toi, de ton courage, surtout. Voilà. Je vous demande, s'il vous plaît, de les applaudir très fort ici. On a demandé à Renaud. On a demandé à Renaud d'interpréter la parodie. Juste. Voilà. Voilà, juste le temps de caler ici pour finaliser. Ah, bah on a même la musique de Champs-Élysées. Fantastique. Champs-Élysées, formidable. Bastien, tu me dis, c'est bon pour toi ? Vas-y. Allez, on y va. Il me faut le début, ça, il me faut tout. Oui, oui, ça va le faire. Je ne sais pas pourquoi il ne part pas. C'est le live. Bah, c'est, en fait, c'est la première interruption au niveau live. Voilà, il a pas voulu. Pourquoi il n'a pas voulu, je ne sais pas. Ah, voilà. Elle n'est pas née dans le Bayou, Lilou. C'est une fille bien de chez nous, Lilou. Une battante, une guerrière, une conquérante, une mousquetaire qui veut mettre le mal à genoux. Elle montre toujours le sourire à Lilou, même quand son corps la fait souffrir beaucoup. Obligée de se justifier, de garder le moral au taquet à ceux qui ne comprennent pas du tout. Elle veut guérir, elle peut y croire, Lilou. Elle a le cœur rempli d'espoir, du coup. Pour vaincre cette putain de maladie, on est avec elle aujourd'hui, tous mousquetaires pour Lilou. En Allemagne, faut qu'elle se soigne, Lilou. Il faut trouver, faut qu'on se bagne des sous. On doit lui donner cette chance de poursuivre son existence, de vivre sa vie jusqu'au bout. Elle n'est pas née dans le Bayou, Lilou. C'est une fille bien de chez nous, Lilou. Une battante, une guerrière, une conquérante, une mousquetaire qui va mettre le mal à genoux. Elle n'est pas seule dans cette galère, Lilou. Y'a d'autres triplettes sur la terre, partout. Comme elle ne pense jamais à elle, prendre le combat sur leur aile pour les aider à avoir le droit. Voilà Lilou, écrite par Alain, qui te connaît bien et qui a mis des choses très sensées dedans, voilà. Bastien Seigneuret, alias Renaud pour ce titre, voilà, alias Renaud pour ce titre, reprise de Pierre Perret, Lily. Je vais venir avec vous, alors on va être un petit peu nombreux, on va, voilà, bon, on va se tasser, je vais me mettre là, Bastien, regarde, voilà, comme ça. Je vais demander à Alain de bien vouloir venir nous rejoindre, parce qu'il a œuvré toute la journée dans l'ombre, il était en régie. La tête, la tête. Voilà. Il était en régie. Les casques. Voilà, viens avec nous. Viens. On va se tasser. Voilà, on comme ça, pour terminer cette émission. On sait que le temps tasse, c'est pour ça. Donc. Oui, le temps tasse, oui, forcément. Je vais prendre. Alors, j'ai désinfecté les deux micros. Voilà, on va prendre celui-ci et celui-ci. Voilà, merci, je vais donner voilà. celui-ci. Attends. À Lilou. Je t'embrouille pas le pied. Voilà. Ouais, hop. On va vous remercier voilà, de nous avoir suivis tout au long de cette journée. J'espère que vous allez continuer à parler de l'association Les Mousquetaires de Lilou. Soyez toutes et toutes mousquetaires, c'est très très important. On va clôturer l'émission. Vous aurez la possibilité de la revoir sur la page Facebook, sur le site également de HWM TV. On vous reparlera de tout ça. Nous aurons le plaisir de refaire une autre émission, j'en suis certain. Alors... On va déjà découper les meilleurs moments de ce live. Tout à fait. Pour, voilà, parce que bon, depuis 14h30, ça fait plus de 3 heures, donc on est maintenant presque 4 heures. Qu'on est en ligne. Et donc, on va couper les meilleurs moments pour faciliter les recherches, notamment. Du passage de chaque artiste. Voilà. tu me feras passer ta vidéo. J'ai vu que tu filmais, Anthony. Voilà.
Voilà, bon. Et donc, voilà, donc on va déjà commencer à découper ça. Et puis, je me suis engagé vis-à-vis de Lucie et de Lilou. Quand on aura la possibilité de faire un vrai spectacle avec une vraie scène, des lights, avec tout ça, tous les ans, on fera un concert au profit des triplettes, au profit des mousquetaires de Lilou. Voilà. Donc, on prend date. Voilà. Merci, merci beaucoup. On va te laisser le mot de la fin. Juste moi, rappeler. Et moi, je retourne à ma régie, Nathan. Tu retournes à la régie. La cagnotte, c'est très, très important pour permettre à Lilou de poursuivre son traitement. On compte sur vous, on a besoin de vous. Vous avez la cagnotte et puis vous allez pouvoir continuer pendant quelques jours parce qu'on va le laisser en enchère. Le maillot officiel du capitaine Anthony Briançon, il est là. On va attendre, on va laisser les enchères monter et nous avons aussi, puisque toi, Philou, nous a dit tout à l'heure, il a à chaque fois déployé un petit quelque chose. Quand il marquait un but, il les a tous gardés. Il a décidé de mettre ça en enchère aussi. Il en met un et celui qui fera monter la plus grande enchère pourra choisir en plus. Et on essaiera de voir faire un petit direct avec Tao Filou. Voilà. N'hésitez pas, on a besoin de vous. Le combat ne fait que commencer. Et puis, on vous donne rendez-vous sur HWM TV très, très prochainement. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Le mot de la fin, Lilou. Ben, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à tout ça. Donc, pour les artistes, pour... tout le monde. La fin de la chanson, les triplettes, oui, je ne suis pas toute seule, on en est nombreux. C'est pour ça que j'ai fait mon petit cœur. C'est parce qu'on se soutient toutes et elles le savent que je suis là pour elles. Donc, elles peuvent de suite me parler, que je les encourage. Et donc, voilà, de continuer, que ce soit pour l'association, pour moi, mais aussi pour toutes les autres filles qui sont soit déjà malades et qui ont un échec thérapeutique et qui vont partir en Allemagne ou qui essayent. Et pour les prochaines, parce qu'on en découvre chaque année. Donc voilà, et comme j'avais dit à chaque émission, que vous soyez jeune ou pas, pour celles qui ne sont pas malades, en tout cas, si vous avez une boule ou quoi que ce soit, de vraiment aller chez le médecin, d'insister. Parce que moi, à 29 ans, on m'a dit, vous n'êtes pas malade, vous êtes trop jeune, rentrez chez vous. En tant qu'infirmière, j'ai insisté, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, je suis là pour parler du coup de ce cancer et de tout ça. Donc voilà, et merci vraiment à tout le monde, toute la générosité que je reçois, c'est magnifique. Donc je ne sais pas trop quoi dire, mais... Voilà, et à ma famille, mes amis qui sont là. Donc voilà. En tout cas, c'est très très beau ce que je vis. Merci beaucoup, Lilou. Tous mousquetaires, mousquetaires un jour, mousquetaires toujours. À très très bientôt sur HWM TV. Bonsoir.